Salut les pépères, c'est les mémères, j'espère que tout le monde va bien, c'est mardi euh, et aujourd'hui, dès que j'ai fini de nettoyer mes lunettes parce qu'elles sont crades, voilà, c'est bien. Aujourd'hui, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue, il joue à Bing Medieval. Voilà, c'est l'Early Access, c'est sorti aujourd'hui sur Steam euh, sur le coup de 14h, h 03 euh, J'y joue depuis une petite semaine parce que bon, j'ai mes entrées, euh, ouais, j'ai mes entrées dans les studios de développement. Je connais des gens un peu haut placés qui me filent des clés. Euh, voilà. Alors, euh, de quoi ça a l'air eh bien, je vous le dis, c'est un RimWorld. Si euh, vous allez voir, c'est très inspiré de RimWorld, euh, avec un petit côté baniche parce que c'est la campagne, et puis avec des trucs intéressants, euh, le Z-order, euh, le truc comme ça. On va, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est vrai, je suis flou. Je suis flou exactement. et eh bien, que se passe-t-il Et eh bien, je vais corriger ça tout de suite. C'est encore ma caméra. Euh... Alors, attendez, bougez pas, vous bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais me déflouter. I am going to deflute myself in front of you. Look at this. It is absolutely fantastic. Uh, yes, it is a technology. It is magical. It is absolutely magical. Uh... What? A... What a fantastic euh, unfloating. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je fasse ça, maintenant. Il faut que ça, ça réapparaisse, maintenant. Voilà, c'est bien. Il euh, n'y a pas le chat Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chat Allez-y, parlez. Ah bah si, voilà, il y a le chat, c'est parce que je ne l'avais pas mis. Euh, le son sature. Alors. Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe, c'est que j'utilise la NVIDIA Broadcast, parce que sinon, il y a le bruit de la clim. Donc, si vous me dites que le son sature... Ça va m'obliger, ça va m'obliger à éteindre la clim, et à enlever Nvidia Broadcast, mais parce que je vous aime, euh, je vais le faire, dès maintenant, euh... on va le faire, on va le faire, là. attendez, ne pas, on va... on va y arriver, on va y arriver, attention, on est tranquille, euh, voilà, c'est euh... mardi, on n'a rien à faire, alors là, ça ne devrait plus trop saturer, mais normalement, vous entendez ma clim, dites-moi si vous entendez ma clim. Ah, non, alors il fait pas 24 degrés, euh, Fratus, Là chez moi il fait, euh, dehors déjà, il fait 28. Vous entendez la clim Bon, non, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, je vais l'enlever, tant pis, je vais terminer en sueur. Euh, et ben, voilà. Peut-être que, du coup, je suis obligé de me mettre torse nu. Sait-on jamais, on verra, ça sera l'improvisation. Vous bougez pas, j'enlève la clim. Oh, j'ai chaud ah tout de suite j'ai chaud. Oh là 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 Oh mais qu'est-ce qu qui fait chaud dans ce pays C'est pas possible. Oh là 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 là. Bon alors, euh, je remercie tous les gens qui se sont abonnés. Je vais dire merci à Nizan, je vais dire merci à Atomic Gymnast, à Plitrulle, merci, euh, merci les frérots et les frérotes pour votre soutien. Euh, Est-ce que j'ai oublié du monde un peu plus haut J'ai oublié Nomismatique un Poussou à tout ce monde-là, Muttel, du Poussou en veux-tu en voilà, euh, Arzac 4, mais du Poussou, mais partout, et un Psycho, mais alors, mais plein de Poussou, euh, plein de Poussou sur les joues. Euh, alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, euh, fait le stream dans une piscine gonflable. Il fera, ouais, ça serait bien, ça. ça serait bien. Oui, c'est vrai, je devrais le faire. je devrais... Vous savez quoi Je ferai plus de viewers. Eh ben évidemment, mais évidemment, parce que c'est ça qu'ils veulent les gens sur Twitch, ils veulent, ils veulent des, 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 des jolis corps, à moitié dénudés, mais évidemment, mais c'est ce qu'il faut que je fasse, bien sûr. Merci Raine pour le pour le 19e mois d'abonnement. Merci aussi Delu, Julien GKZ et Vigure. Alors, ce qu'on va faire, on va démarrer une nouvelle partie. Euh, J'ai une partie un poil plus avancée, euh, mais en fait, euh, c'est pas très utile de vous montrer ce que c'est les parties plus avancées. Donc, on va faire une nouvelle partie. On va jouer en standard. Vous voyez qu'il y a du Pacifique euh, sans les raids ennemis, il y a du survie avec des raids ennemis un peu plus, chauds, chaud. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est sur Steam à 20. Euh, je crois que c'est à 20 euros, quelque chose comme ça. Euh, merci Ganapati pour le Prime. Bienvenue dans la communauté Canapati. Euh, alors on fait le standard, voilà. Tout, pop, 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 pop. Euh, là on a comme dans RimWorld euh, des, des, la possibilité de changer, je sais plus si c'est RimWorld ou si c'est un autre jeu. Possibilité de démarrer en loup solitaire avec un seul colon, ou euh, voilà. Là on va démarrer avec trois colons et puis un petit tas de ressources, bon, super classique. Euh, là on a, on peut choisir notre terrain parce qu'en fait on sera dans une région pour interagir avec les autres colonies, tout ça. On va choisir, on va se faire un blason. Non, on va d'abord un nom de ville. Alors ça se passe en Angleterre, ça se passe sur les îles britanniques, euh, Montar... Montar... C'est difficile d'angliciser Montargy. Montargy Montargi, voilà, c'est impeccable. Euh, le blason, euh, on va faire un truc moche. J'aime bien faire des blasons moches. Tiens, allez, hop. Euh, là, on va se mettre quoi J'ai vu qu'il y, a... ah, ben voilà, y a un chat. On va se mettre un petit chat. Tout... Ça fait t... pourquoi Parce que ça fait toujours plus de viewers euh, sur euh, sur euh, Twitch euh, les chats. Donc euh, c'est pour ça que je mets un chat. C'est voilà, c'est euh, ordre euh, ordre des autorités euh, des autorités supérieures. Euh, non, ça c'est moche. Un chat avec un cœur, voilà, mais voilà, voilà, avec un cœur rose. Voilà, ça va être une colonie, une colonie de gens gentils. Euh, C'est merveilleux, formidable. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre le motif Peut-être un motif... Voilà, un petit peu plus discret, peut-être changer les couleurs. Euh, il doit y avoir couleur 1, couleur 2, je pense. On va mettre du jaune. Et puis... Euh, pourquoi est-ce que je peux pas sélectionner l'autre couleur qu'est ce que c'est ah, c'est la couleur de l'arrière-plan évidemment 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 c'est chaud ça quand même euh, je' et... je' vert ouais voilà c'est bien C'est pas mal c'est pas mal ok on a notre logo enfin notre blason pardon Salut Agbou, tu as vu que le début, il y avait un reportage sur Montargis. Ils ont présenté le magasin de pralines, nous dit Canette au four. Ils ont présenté le confi... la confiserie Mazet. — Vous savez quoi C'est probablement. Pas... Je sais qu'à TF1, je suis très très populaire à TF1. Je sais que tout l'état-major de TF1 regarde, regarde mes, mes streams. Je les salue d'ailleurs. Euh, C'est sûrement à cause de ça. C'est sûr, sûrement la direction de TF1 qui a téléphoné au JT, qui a dit... Euh, il y a Agbu qui a parlé de, de Confiseur masés, donc vous en parlez aussi, sinon on va, parler, on va passer pour des, pour des, pour des ringards. Euh, on va se mettre là, on pourrait démarrer dans de la montagne, versant tout ça. On va démarrer dans la vallée. Il euh, y a deux ailes à la vallée, non Non Pourquoi il n'y a plus de... <laughs> pourquoi il n'y a plus de... Il n'y a plus de stream, pourquoi il n'y a plus rien Pourquoi tout est disparu Je sais pas. Allez suivant. Ah, il y a eu un lag. Excusez-moi. J'ai eu un énorme lag. Euh, là, je viens d'avoir deux, deux écrans de, de chat qui sont apparus d'un coup. Excusez-moi. Il y, y a eu un lag. Je sais pas pourquoi. Euh... Ouais, dans la vallée. Ouais, la vallée. Il y a deux. C'est ça. Alors là, comme dans euh, exactement comme dans Rimworld, il faut qu'on qu se trouve. Euh, il faut qu'on fasse attention aux compétences de nos trois personnages de départ. Euh, là, c'est bien, on a le résumé des compétences. Alors, il faut quelqu'un de bon en construction, évidemment. Si possible, un peu, un peu de bon au corps à corps et au tireur, parce qu'il y aura quand même un peu de combat. C'est bien d'avoir un cuisinier, on en a un. C'est bien d'avoir des gens de la, en botanique. Ouais, elle, à la limite. Ouais, ça sera pas mal, ça. On va commencer avec ça. Elles ont les, ils ont des petits traits aussi. Hein, voilà, donc euh, Ligneve est corpulente et travailleuse. Margaret est cannibale, d'accord, ok. J'ai même pas essayé de, de faire du cannibalisme. Mais pourquoi pas. Et elle est vulnérable. Elle souffre de la goutte ou de la dysenterie. Il paraît que ça fait très mal, la goutte c'est ces vieilles maladies qu'on n'a plus trop. Merci Coolid pour le Prime. Un pouce ou euh, frérot, frérot. Euh, merci aussi Total Fina 2B pour le rabot. Un pouce les frérot. Euh, ok, j'avoue que j'ai pas trop regardé les traits, tout ça. Bon, voilà. Allez, suivant. Alors, il y a le résumé. Bim, bam, boum. Afficher les conseils du diectricien. Alors, on va pas les mettre parce que je commence à connaître un petit peu le jeu, même si je ne suis pas encore très bon. Mais, euh, mais voilà. Alors, la peste a ravagé les îles britanniques. Donc, ça, c'est le. Le, le lore euh, donc le principe de ce que je me souviens oui c'est ça c'est euh, la peste ravage les îles britanniques vous me direz que les îles britanniques l'ont probablement un peu mérité je referme la parenthèse comme ça euh, la terre se réchauffant donc la peste hein, euh, souvenez-vous la peste quelle belle époque euh, 1300 euh, ça arrive à marseille en 1347, avec le fameux bateau euh, qui a esquivé la quarantaine et qui, ensuite, qui a ramené la peste de Crimée et qui ensuite a, a contaminé toute l'Europe. Hein. Marseille, bien joué. Euh, et euh, 1353, c'était la fin de la peste. Après, il y a eu des résurgences au siècle suivant, mais c'était la fin de la peste. Et donc là, on a trois personnes qui euh, quittent la campagne pour s'approprier un petit lot de terre. Euh, ok, d'accord. Euh, Margaret, elle est contente. Ok. Ok. J'avais pas lu l'histoire, mais voilà. Donc on fuit la peste. On fuit la peste et on recommence de zéro. Merci, euh, Anit51. Un pouce sous, euh, frérot, frérot. Je confirme, ça fait horriblement mal. La goutte nous dit ce à faire. Tu l'as eu ce merci à faire Merci H5. Un pouce ou frérot, frérot. Parce que. Ouais, il paraît que ça fait très mal. Et puis ça fait mal au, au pied, d'après ce que j'ai compris. Je sais qu'il y avait à bras raccourci, que ce qu y avait la goutte dans un album d'Astérix, ça avait l'air euh, assez chaud. Merci Banana Coco pour le Prime. Un pouce ou euh, frérot, frérot. Euh... Putain, Banane... Vous savez quoi C'est bon, euh, Banane Coco. C'est Il n'y a pas longtemps, une petite parenthèse, je me suis fait du pain perdu avec de la banane par-dessus, mais, attention, mais avec le lait qu'on met pour le pain perdu, j'avais aussi mis un fond de lait de coco. Comment c'était bon. En plus je me suis fait ça genre un soir à 11h, euh, la, la, la déchéance complète, quoi. Ça c'est bon. Ouais, banane coco, c'est bon. et, Alors, après cette petite interlude gastronomique, puisqu'on est là pour parler de tout aussi. Euh, ok, ok, ok. Donc là, bah... Il y a un truc qui fait pick pic dehors. Donc là, euh, bah c'est comme dans Rimworld, hein. regardez. Voilà. Regardez. Là, ça vous rappelait oui, Rimworld. Hein. Regardez ça si c'est pas Rimworld. Voilà. Ah c'est Rimworld. Euh, là le petit truc avec la, la zone de départ et puis les trucs interdits. Donc là évidemment on va... Ah non c'est pas les raccourcis clavier avec Rimworld. C'est quoi le raccourci clavier Là c'est insert. Ok. Donc on va tout désinterdire. Hop, 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 hop. Vas-y, pépère. Hop, on a un peu de bois, des repas emballés. J'ai essayé de tous, les, de tous les sélectionner, je ne réussis pas. Hein. Je suis obligé de le faire à la main à chaque fois. Non, ce n'est pas ça. C'est les chroniques, c'est intéressant les chroniques. Ils ont un système de recherche qui est un tout petit peu original. Vous allez voir. Merci euh, Franck Franche et Carotte. Merci euh, les frérotes, frérot, euh, pour le soutien. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va construire des murs parce qu'on est dans un Rimworld de -like. la On a pas mal de bois autour de chez nous. Ça, c'est cool. On est... Vous voyez que la carte n'est pas gigantesque. Hein. C'est pas la folie, la carte. Mais c'est de la 3D. Et surtout... Il y a du Z-order. Et oui. Et là, et là, regardez, regardez. Voilà, on peut aller, euh, on peut aller sous la terre. Et puis, on peut aussi construire. Vous voyez ici des trucs en étage. Et ça, quand même, eh ben. Euh... Alors, est-ce que c'est est génial Je sais pas parce que. Moi je vais vous dire franchement quand Rimworld est arrivé et que tous les gens ont dit ah bah oui mais dans Rimworld on peut pas faire euh, on peut pas construire des souterrains comme dans Dwarf Fortress Dwarf Fortress c'est mieux moi je crois que c'était de la connerie je crois que Rimworld c'était très bien que ça se déroule sur un seul plan il y avait pas besoin de rajouter du Z-order là c'est de la 3D il rajoute du Z-order ah bah, pourquoi pas vous allez voir comment ça se passe il y a, il y a quelques petits trucs cool vous allez voir ça peut être sympa alors on y va tout de suite bim on fait la zone réserve par défaut comme d'habitude on va pas s'emmerder on va la faire ici ouais je vais construire ma base là euh, donc je vais faire une grande zone euh, je vais faire ça voilà euh, donc là pareil rimworld like euh, tout le tout le système de filtrage et tout voilà, ça si vous avez joué à un rimworld vous connaissez par cœur euh, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va protéger tout ça parce que vous voyez que là par exemple on dit que le tasse décompose en 4 jours donc on va construire des petits murs le positionnement du chat n'est pas optique tout à fait, vous avez tout à fait raison. Excusez-moi, c'est que je l'avais déplacé pour l'écran d'introduction, mais que je ne l'ai pas replacé après parce que euh, je suis un demeuré. Voilà, voilà. Oui, pas besoin de 3D dans les jeux de gestion, dit Bastien. Bah oui, moi je suis d'accord. Mais là, tu vas voir, t'as fait des petits trucs euh, des petits trucs un peu sympas. Et est-ce que j'ai oublié J'ai oublié Absalar38. Merci Absalar. Un pouceau à toi, frérot, frérot, pour 14 mois d'abonnement. C'est bien. C'est bien. 14 mois, c'est bien. T'as lâché ta dîme, je suis, je suis content. Euh, hop. Non, j'ai ah, j'ai des mauvais raccourcis dans les, dans les mains. Ok. On va construire des murs. Euh, je vais faire comment je vais l'orienter, ma base. Pff, je ne sais pas. Je vais l'orienter au pif. Je vais l'orienter au pif. Euh, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Hop. Alors, on fait les murs. Hop. Hop, je vais faire des petites fenêtres. Hop, hop, hop. Et je vais mettre une petite porte en bois. Oh, J'aurais dû aussi faire de la place pour les lits, mais c'est pas grave. On va faire un... Eh, ah on va faire un petit bâtiment, un petit dortoir séparé dès le début. Ça va être cool. Euh, je vais jouer en mode accéléré à fond. Hein, je vous préviens, puis je vais faire des pauses. Hein, parce que... Parce que voilà. Mmh. Que va-t-on écrire sur ces murs demande Yutani. Eh bien c'est simple, le nom de ceux qu'on aime. Et eh, vous savez quoi Petite parenthèse musicologie. Vous savez qu'on écrit sur les murs. Moi je pensais que c'était une création originale de, de ce groupe d'auteurs qui est Kids United. Je pensais qu'ils s'étaient réunis à l'école primaire et qu'ils avaient écrit ça ensemble. Figurez-vous qu'on écrit sur les murs, c'est une chanson de Demis Roussos qui date des années 80. Et j'ai écouté la version originale de Demis Roussos et bah c'est pas mal. Et du coup j'ai écouté un peu d'autres Demis Roussos et bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Souvenez-vous, Demis Rousseau, quand même, euh, euh, quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. On abolir ce qu'on veut, c'était kitsch et tout, c'était beau. Numéro un du top 50 dans les années 80, je pense, c'était formidable. Et du coup, je me suis un peu intéressé à Demis Rousseau, c'est euh, bah, il a écrit quand même pas mal de hits. Hein. Et c'était pas mal ce qu'il faisait dans les années 80. Hein. Honnêtement, c'était pas dégueu, hein. Faut pas comme ça du haut oh, de Miss Roussos, euh, voilà, il y a des poils partout. Non, non, je trouve qu'on a été très injuste avec De Miss Roussos. Je vais faire 5 d'écart parce que je préfère. Hop. Je vais faire un petit dortoir. Euh... Pff, même un grand dortoir, tiens, on va pas se faire chier. Alors, l'interface de construction, comme c'est de la 3D, c'est forcément un peu moins simple que euh, sur un jeu... Purement 2D comme un Rimworld, euh, notamment tout ce qui est destruction euh, des murs et tout. Je, 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 je suis pas forcément un méga fan, mais après, c'est un tout début d'Early Access, donc euh, ça peut bien sûr euh, s'améliorer. Merci, Farci Flo, pour la beau. Un pouce ou frérot, frérot D'ailleurs Demis Roussos chante sur la BO de Blade Runner. Ah je ne savais pas, je ne savais pas. Mais faut pas... Euh, ouais non Demis Roussos euh, du coup je me suis un peu réintéressé à lui, j'ai un peu réécouté ses trucs sur Spotify. C'était pas mal, c'était pas mal. Parce que c'est quand même un musicien qui nous vient des années 70, au temps où on savait faire de la musique, hein, pas comme maintenant. Euh, et il a, il a arrivé en embrassant le, les, 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 la mode des années 80, et ça donnait quelque chose finalement qui était assez intéressant. Alors, c'était pas lui qui écrivait ses chansons, hein. il avait deux songwriters attitrés pendant toute sa carrière. Alors attendez, je, je parle trop, là je fais de la merde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va faire Sol en bois. Voilà. Pourquoi sol en bois Parce que si les ressources sont pas sur du sol, vous euh, voyez. Pourquoi est-ce que le tas décompose Type de décompo euh, décomposition causée par type de sol. Donc on va leur mettre du bois et ensuite qu'est-ce qu'on va faire On va faire des toits. Et oui. Et là attention, comme c'est de la 3 D, il y aura beau toit de chaume, beau toit de chaume. Oui, Aphrodite Shite, euh, bien sûr, euh, bien sûr, C'est très très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Et là, on fait donc du toit. Regardez, toit de chaume. Alors, le toit se pose bien, il lui faut des murs pour se poser et tout. Alors, j'ai pas... Ah, mais si, en faisant R. Mais oui, on peut changer l'orientation des toits, bien sûr. J'avais pas trouvé comment changer l'orientation des toits. Mais là, je viens de trouver, on fait simplement R. On va l'orienter comme ça. On fait ça. Et là, hop, regardez, ça va nous faire un beau toit. Vous allez voir comment ça se passe. C'est intéressant, je trouve. Aujourd'hui, la musique, c'est des trucs comme Thérapie Taxi, c'est dire si c'est nul. Mais non, c'est très bien. J'ai vu qu'ils arrêtaient Thérapie Taxi, c'est pas... C'est dommage, je suis sûr qu'ils avaient encore des trucs à faire. J'aime bien leur dernier truc, là, où ils parlent des années 90. Il est pas mal. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Euh, voilà, donc vous voyez, on a un beau toit. On a un beau toit, donc ça c'est plutôt cool, regardez, ça commence à avoir de la gueule avec les petits effets graphiques et tout, je pense que le jeu doit être de l'Unity, quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'est pas mal. Je vais tout de suite couper du bois parce que sinon... Putain, il faut que je fasse de la bouffe aussi, mais je vais faire n'importe quoi. Alors, euh, je vais tout de suite faire de la bouffe. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme bouffe Ils ont 9 repas emballés. On va leur faire un petit. Euh, un petit feu de camp. Un petit feu de camp. Voilà, ici. Et puis, euh, on va leur faire couper des baies. Alors, les baies, faut attendre qu'elles soient à maturation. C'est B, le raccourci clavier. Hop, hop. Il y a aussi des petits champis à récolter, là. Non, si, vas-y, récolte-moi ça. Les petits champis à récolter, on va les récolter là. Euh... J'ai bien mis récolter, là. Hein ouais, j'ai bien récolté. On va aussi prendre de la, de la... De la paille pour la... Le... le toit. Là, on va leur faire... Le petit sol bien comme il faut. On va commencer à placer des lits. C'est important. Hop, hop, hop. Hop à trois, quatre, 5 Ok. Allez. Et puis le toit évidemment. Elle, elle toiteau comme on dit. Euh, elle toiteau elle toiteau, elle toiteau des chômases. On va garder la même orientation de toit. Ça sera plus propre. Et ça nous fait déjà deux petites, deux petites Voilà. sympas. Voilà. Euh, pour la production, pour tout ce qui est production, là aussi c'est par Ackering World, hein. vous cliquez sur l'item de production, vous faites chaque et vous avez le production tout le temps jusqu'à obtenir et tout. Archi classique. Mais d'un autre côté c'est bien parce qu'on n'a pas à apprendre plein de trucs dès qu'on connaît. C'est un Dwarf Fortress en 3D, demande Vactro. Alors je pense pas que ça soit encore aussi, euh, aussi complexe que Dwarf Fortress, euh, mais euh, bon c'est une toute première early access. Hein. Remonte le chat un tout petit peu me demande-t-on, pourquoi ça ah, remonter le chat euh, en, en quoi En, en lecture ou euh, sur, le, sur le stream C'est pas dégueu graphiquement. Alors c'est du Low Poly. Hein, si vous regardez les. Ah oui, non, faut que je vous montre un truc qui est cool. Le toit, vous voyez, c'est chiant, mais en appuyant sur C, bim, on dégage le toit. Donc ça c'est cool. Ça j'aime bien. Vous voyez, les persos, c'est du Low Poly. C'est vraiment du Low, low Poly. Euh, mais c'est vrai que sinon, vous allez voir, quand, quand il pleut, c'est très joli. Ils ont un très bel effet de, un très bel effet de pluie. Merci Kennep pour la beau. Il n'y a pas de tapis roulant en ruban, je sais c'est bête. Mais, mais qui sait, peut-être des tapis roulants en bois euh, bientôt C'est le merdier Twitch quand tu veux répondre à une réponse. Euh, ok, alors, euh, ils, voilà, ils vont faire du toit tout ça qu'ils abattent les arbres je vais tout de suite commencer à prioriser un petit peu les trucs alors lui qui est bon en construction tu me mets ça en construction toi tu me fais pas de construction il ouais, n'y a pas besoin euh, toi tu vas être le cuisinier attitré puisque as déjà 11 de cuisine de, de cuisine euh, la recherche qui est ce qui est intelligent ici toi tu vas être euh, lui il a 21 et lui il a 8 bah vous me ferez de la recherche aussi, les pépères, tous les deux. La petite étoile, ça veut dire qu'il est passionné et donc qu'il va, qu va prendre un peu plus d'XP. Euh, soigner, convalescence, chasse, on s'en fout un peu. Si, il faut que je fasse un truc important, il faut que je les arme. Alors attention, on va les armer maintenant. On n'a pas encore notre premier combat qui va arriver, mais ça ne saurait tarder. Donc là, vous voyez qu'ici, on a des petites armes lance en bois, épée, arc très court, arc long. Et on va les armer, évidemment, selon leurs compétences. Et là, on voit que l'iniève, elle est nulle au corps à corps. Et elle est nulle en tireuse. Euh, on va regarder ce qu'il y, qu y a autre chose. Oh putain, ils sont tous nuls. Il n'y en a pas un qui est bon à l'arc Si, heureusement. Clémentia est bonne à l'arc. Donc, on va lui filer l'arc long. Qui euh, fait beaucoup de dégâts. Euh, qui est-ce qui est bon au corps à corps, après Enfin, qui est pas trop dégueu au corps à corps. Elle est la 6. Oh, putain. Alors on va prendre Margaret. Margaret, on va lui filer la petite épée et le bouclier. Mais j'ai peur qu'ils souffrent un peu lors de leur premier combat. Ok, ça c'est quoi Ça c'est une lance en bois. Donc il y a Ligèv. Euh, L'Inièvre c'est plutôt corps à corps, mais de peu, on va lui filer la lance en bois. Et voilà, ils sont équipés. Vous voyez qu'il y a une gestion de l'inventaire qui est assez cool. Vous voyez, ils ont euh, une possibilité de se mettre un truc sur la tête, possibilité de se mettre une armure par-dessus. Et puis là, par exemple, lui, il y a, ses deux équipements, euh, a ses deux équipements de main occupés parce que la lance en bois, il faut la prendre à deux mains. Alors que notre amie Margaret, elle, elle va avoir l'épée et, et le bouclier. Ça, c'est cool. C'est bien, cool. bien fait, c'est cool. C'est bien fait, c'est bien fait. Vous voyez aussi, comme dans Rimworld, il y a le traditionnel onglet des humeurs. Voilà, avec les petits chiffres, plus 25, blablabla, blablabla. Elle a dormi sur le sol, elle n'est pas contente. Euh, manque de divertissement. Ouais, il faut que je fasse du divertissement, là, c'est vrai. Euh, je vais leur faire une salle de jeu cuisine, divertissement. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme merde, là euh, J'ai pas encore fait de recherche, j'ai pas encore fait de... Qu'est-ce qui manque Je suis sûr qu'il manque un truc important. Ok, on va, on va travailler un petit peu. Merci, Cadiax. Un pouce ou euh, frérot frérot. Est-ce que j'ai oublié personne niveau abo J'ai oublié Kennep. Je crois que j'ai déjà dit merci à Kennep. Mais je le redis. Je te, re, je te redis merci Kennep. Et puis euh, Greyfox Liquid. Un pouce pour le prime. Euh, attendez. Hop, c'est bon. Euh, la brasserie euh, Billy Corgan, euh, elle est dans l'arbre de recherche. Bah, je l'ai pas encore débloqué, mais il y a, y, a, y a un côté brasserie. Après, l'arbre de, de recherche, vous allez voir, elle est super, super classique. On va refaire encore une petite maisonnette et on va se faire une petite rue de village. Alors au final on va pas faire un village, au final on va plutôt faire une forteresse vous allez voir. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je prends 9, ça me paraît bien comme, euh, comme écart. Euh, là on va faire le coin euh, cuisine, salle à manger. Euh, on va faire un truc un peu grand. Est-ce qu'on a les poutres de débloquer Il y a des poutres évidemment. Euh, je ne sais pas si on a les poutres de débloquer. Les poutres, ça permet de, ça permet de faire des poutres qui vont d'un mur à l'autre, ce qui permet de soutenir des toits qui seraient sinon euh, pas, euh, pas soutenables. Euh, c des toits insoutenables. Ok, on va faire ça. Ça devrait passer. Asi pépère comme ça. Est-ce que je suis bien aligné Je suis bien aligné. Hop. Euh, ça, on dégage. Ça, on dégage. Ça, on dégage aussi. Et on va faire une petite porte. Euh, et des petites fenêtres. Et on va faire le petit sol. Et ensuite, on fera le toit de chaume. Il y a différents types de toits. Il y a... Après, on peut faire des toits en briques, tout ça, je crois. Mais je pas encore débloqué tout ça. C'est trop carré je trouve, pas très naturel, dit Helenson. C'est parce que c'est moi qui construis super carré, mais euh, si tu regardes les screenshots du jeu sur Steam, tu te rends compte qu'il y a moyen de faire vraiment des trucs beaucoup plus imaginatifs que les merdes que je suis en train de faire là. J'ai un autre 3838 qui dit ça apporte quoi de plus par rapport à Rimworld Merci Lance de m pour le Prime, un pouce sous, frérot, frérot, lance. Euh, qu Qu'est-ce que ça apporte de plus Pour l'instant, c'est un early access. Hein. Euh, 3D, Z-Order, donc gestion des étages, euh, construction par étage, construction sous-sol. Euh, les combats sont peut-être un peu mieux parce que y a des, vous allez voir, il y a des structures défensives et tout qui sont vachement cool. Il y a des pièges et tout. Il y en avait déjà dans Rimworld, vous me direz. Euh, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Moi, un petit Rimworld en 3D qui permet de faire des étages, ça me va. Ça me, ça me va très bien. Pour l'instant, ce qui pourrait m'intéresser par rapport à Rimworld, c'est le manque de technologie avancée. Ah bah là, c'est vraiment période banishte, hein, donc il euh, n'y a pas d'implants cybernétiques, il n'y a pas d'électricité, euh, trucs comme ça. Hein. Donc euh, voilà. L'agriculture est à peu près identique. Euh, c'est des petits champs qui sont un peu moches d'ailleurs, c'est dommage. Euh, voilà. le, le truc, c'est que vraiment, on peut faire des, des forteresses avec des chemins de ronde, avec des tours de garde, avec des, des bâtiments en étage, des, des, des systèmes d'escalier. On peut creuser des mines aussi il faut extraire du fer. Là, dans les mines, il faut faire un système d'escalier pour aller euh, explo, exploiter les, les couches les plus profondes. Voilà. Ouais. Pourquoi pas hein euh, Coupe-moi ça coupe moi ça. Il faut beaucoup de bois au début. Hein. Vous allez voir, au bout d'un moment, à la fin du stream, là, tout ça, ça sera rasé parce qu'il faut beaucoup de bois. Ce qui est d'ailleurs euh, historiquement vrai, puisque j'ai lu qu'en en, Grande-Bretagne, ce pays maudit, ils ont eu un gros problème de déforestation et il a fallu attendre, il me semble, après la Première Guerre mondiale pour que le gouvernement se rende compte que les forêts étaient dans le, le niveau de forêt. Euh, enfin, il n'y avait plus assez de forêt en Grande-Bretagne et ils ont commencé à, à, à relancer la, la forestation, à faire une reforestation à partir du milieu du XXe siècle euh, et de mémoire de ce que j'avais lu après 14 18 5% du territoire anglais c'était de la forêt et euh, aujourd'hui c'est 10% donc ils ont doublé en un siècle leur surface de forêt mais ça reste encore euh, des petites forêts il n'y a pas énormément de, de forêts en angleterre vous me direz je les comprends moi si j'étais un arbre je m'installe pas en angleterre hein. franchement je m'installe en france bien sûr bien sûr même en allemagne à la limite mais je m'installe pas en angleterre voilà, inintéressant comme pays en plus après ils vont de brexiter tout ça ils vont demander les visas aux arbres et tout enfin alors, ah faut faut pas y aller, faut pas y aller. Salut, <coughs> salut, Force the Game. <coughs> Amazing Cultivation Simulator, je n'ai pas compris pourquoi tu n'avais pas accroché malgré le test. Ah, j'ai pas pu, vraiment. Je, je, c'est vachement bien et tout, mais alors j'ai trouvé que c'était d'une complexité et alors ça me parlait pas, voilà. Il faut mettre la tortue magique dans le trigone de Saturne et puis ensuite construire un truc avec un arbre magique. Où il y a le prêtre qui fait du yoga pendant 4 heures et tout, ça m'a pas parlé. Voilà, ça m'a pas parlé. Tout le côté spirituel et tout d'Amazing Cultivation Simulator, ça m'a. Voilà, je, 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 suis pas très, je suis pas très culture asiatique déjà. C'est pas, pas une culture qui me, qui, me, qui me fascine. Après, les gens qui sont fascinés par cette culture, par l'ambiance asiatique et tout, je comprends parfaitement qu'ils qu aient pu trouver ça génial. Mais sinon, oh, je vais pas dire que ça a été une purge. Mais euh, voilà, c'était pas mes centres d'intérêt, le, le côté spirituel, le yin, le yang et tout. J'ai toujours trouvé que c'était du, du pipeau. Donc, donc voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voulait faire On voulait faire une table de recherche. I'm the table de recherche, comme on dit là-bas, à Brandebourg. Euh, table de recherche, où est-ce que t'es pépette Bah ben oui, tu dois être là, ok. Euh, est non, ça, on voulait en faire une. Euh, Est-ce qu'on ferait pas la table de recherche Tiens, on va faire la table de recherche dans la chambre. Voilà, on s'en fiche, c est, c est, ça, ils l'utiliseront pas pendant que les gens dorment. On va faire la table de recherche ici. Et là, on va se faire une petite cuisine parce qu'ils sont pas contents s'ils si, si mangent par terre comme des comme des clodos. Euh, table en bois moyenne, on va faire ça. Table en bois moyenne, on va la mettre ici. On va leur mettre des petits tabourets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Et on va leur faire une petite table de baggam Ah, je sais ce que j'ai pas fait, j'ai pas fait l'église. On va leur faire une petite table de backgammon euh, pour qu'ils commencent à se distraire. Et il faut aussi qu'on leur fasse des églises, sachant qu'il y a deux fois différentes. Il y a la foi euh, des frères du chêne en bois. Et oui, contrairement aux chênes euh... Ah non c'est bon, c'est le matériel de construction, j'ai rien de bêtises. Donc les, les frères du chêne et, les, et les, les adeptes de la restauration. Et ils ont chacun une affiliation religieuse que vous pouvez voir. Euh... Oui, que vous pouvez voir, que vous pouvez voir. Que vous pouvez voir quelque part. Euh... Alignement religieux. Voilà. Euh, vous voyez ça ici. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore d'importance, mais euh, voilà, il faut le, il faut le faire. Euh, on va faire, bah tiens, on va faire les deux petites églises ici, les deux petites églises ici même. Je fais, je fais mal les liaisons, hein, c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'on va être bien aligné comme ça Ouais. Alors vous allez gueuler parce que je fais que des trucs super carrés. Là, je vous connais. Gna, gna, tout carré, gna, gna. Allez, je vais changer un peu. Je vais faire un truc un petit peu en retrait comme ça. Euh, alors c'est des toutes petites églises hein, qu'on a besoin de faire. On va faire un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Oh non, là c'est trop, trop petit, là ça va être moche. Ah, ça va être moche, ça va être vraiment moche. 1, 2, 1, tchac, tchac, voilà, on va faire ça. Du coup, ça fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, faudra pas oublier de mettre la porte qu'on va mettre ici. Hop, hop. Du coup, on va la mettre là, comme ça, ça sera symétrique. Euh, on va faire porte en bois. Hop, hop. On va leur mettre leurs hôtels à la con. Pourquoi tu me la poses oh, J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Suis-je bête, suis-je bête. Enfin, enfin. Hop. Et pour le style, on va leur mettre des petites torches. Hein, ça se fait dans les églises, des petites torches en bois, là je sais pas, ils aiment bien ça les gens, ça fait, ça fait de la déco. Et évidemment, on va leur mettre un petit sol en bois, hop, et ensuite on leur mettra le petit planchon quand ça sera terminé. Est-ce qu'on peut faire des prisonniers récolter leurs organes, demande Mini 12 Sport. Alors je n'ai pas vu ça encore, je n'ai pas vu ça, on regardera tout à l'heure dans la roadmap des développeurs euh, si c'est prévu. Premier hôtel à l'envers. Oh putain, tu me fais peur. Je l'ai mis à l'envers Oh putain, ok. Je le refais au cas où. Euh... Hop, hop, hop. Hôtel de la restauration. C'était celui-là Ouais, c'était celui-là. Il était à l'envers, bien vu. Ce que j'attends de c'est qu'un chat tombe vivre mort dans son vomi après cette balle dans la taverne où la Binous est tombée. Si ça arrive, le jour à mon attention. Alors il n'y a pas encore ce genre de petits détails pour l'instant. Il n'y a pas encore du tout d'interaction sociale entre les colons. C'est prévu dans la roadmap des développeurs. Même si vous les voyez là jouer ensemble, il n'y a pas encore le côté amitié. Ils tombent amoureux les uns les autres, ils se détestent. Euh, voilà. Mais encore une fois, première early access. C'est sorti à, c'est sorti à 5 heures. Donc il euh, y a encore du temps pour que ça s'améliore. Hein. Moi, je me souviens des premières early access de RimWorld. C'était c'était quand même c'était bien c'était comme Kerbal Space Program dès le début on voyait que ça allait être un grand jeu mais euh, c'était euh, c'était un peu berbonne, quoi comme on dit comme on dit à, à Los Angeles on va faire un petit tour en chaume on a orienté ça comme ça je vais garder la même orientation hop hop euh, je vais couper ça Et là, ça devrait un petit peu améliorer leur humeur, puisqu'ils ont du jeu et ils ont de la religion, ils ont des bolies, ça devrait commencer à être convenable. Euh, est-ce que niveau bouffe, ils sont bien Repas emballés, il y a du ragoût et tout, c'est bon. Alors après, il faut continuer à produire parce que les, les trucs pourrissent assez vite, même s'ils sont ici sous un toit et tout. Vous allez voir après comment on fait pour qu'ils se conservent plus, plus longtemps. Euh, mais la nourriture est pas trop, hein, pas trop un problème parce qu'on a plein de baies, on a plein de champignons un peu partout. Tiens, je vais récolter un peu de ça pendant que ça. J'ai le temps. Hop, oh, B, 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 B. Je récolte pas tout parce que sinon, vous voyez, là, on perd, du... on perd, euh... on perd des B si on récolte quand c'est pas à maturation complète. Qu'est-ce que c'est cette merde, là Pourquoi j'ai je... fait ça, là Tu avais essayé la démo bêta qui était dispo il y a quelques mois, demande Ruvon. Non. J'ai pas essayé la démo bêta de. Ah, attends non, 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 non. non. Non, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé. Je savais même pas. Comment gérer la carte On peut en sortir comme Rimworld. Alors oui, il y a un système de région comme ça. Euh, il y aura des relations diplomatiques. Je pense pas qu'on pourra en sortir comme Rimworld. Notez que Rimworld, on a pu sortir de la carte au bout de 5 ans. Hein. Au début, on ne pouvait pas sortir de la carte. Souvenez-vous, les premières versions, c'était euh, voilà, quand même très limité. Donc euh, donc voilà. Regardez, c'est joli avec la pluie, la pluie, les nuages et tout là. Comment ça ressemble à quelque chose Je vais faire un truc un peu moins régulier parce que là, c'est vrai que c'est pas. Euh, au niveau architecture, c'est pas la wage de ce que j'ai fait là. Hop, un petit toit de chaume. Un autre petit toit de chaume. Est-ce qu'ils ont. Ah eh bah ben oui, ils ont plus de bois. Hop, allez, tu me coupes ça. Tu me coupes ça. Tu me coupes ça. Tu me coupes ça. Il faut beaucoup de bois au début. On dirait les maisons dans Monopoly, bah attendez, c'est les premières maisons aussi, voilà, je vous dis, on fait des trucs en étage après, c'est vachement plus cool, là, non mais c'est vrai, le, je vais vous dire, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait trois maisons de même taille, bon, voilà, donc mes prochaines maisons, il faut que je les fasse, je vais faire un truc de production qui sera un peu décalé, qui aura pas le même, voilà, on va, se, on va se démerder pour faire un truc un peu plus joli, euh, le bois, allez-y, table de recherche, bah oui, mais la table de recherche, pourquoi tu me la fais pas, pépère, je l'ai commandé il y a 20 jours, là Allez, parce que là, il faut qu'on lance la recherche quand même, hein. C'est pas tout ça, mais la soirée avance. Merci, je finis jamais ri. Un pouce euh, frérot, frérot. Eh, bon, c'est mignon. J'aime bien quand il y a le soleil, juste après la pluie surtout, parce que le soleil éclaire les flaques d'eau et je trouve que l'effet est assez réussi. Bon. C'est pas... Voilà, euh... ah, c'est pas, pas anneau, hein. Mais, euh... mais bon. Là, c'est quand même du lot poli et tout. Voilà, regardez ça, j'aime bien cet effet là. Regardez, là c'est mignon, là c'est mignon, ça c'est joli. C'est trop beau même pour l'Angleterre. Normalement, ça serait tout gris, ce serait dégueulasse. Ça donne un petit côté pavillonnaire cette symétrie. Oui, je sais. Oui, j'ai fait un truc trop symétrique, trop machin. Ah, oh, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes désagréable ce soir Mais enfin, c'est pas possible. Alors, que nous manque-t-il On va décorer. Tiens, on va mettre des petites. On va mettre des petites, euh, euh, petites décos. Euh, je vais mettre ma petite bannière devant... Non, je mettrai un dire ma quand j'aurai une petite... Une petite Alors on peut faire des clôtures, mais je vais pas faire ça. Non, ce que je voulais faire, c'est les petites, les petites torches en bois devant les... devant les portes. J'aime bien, c'est pour indiquer aux habitants où entrer, je trouve ça important. Hop, hop. Hop, hop, voilà. Euh, la table de recherche, enfin, merci. Qui est-ce qu'il y a pour me faire de la recherche du coup Est-ce que j'avais un intello de prévu Oui, j'ai dévoré. Merci, vas-y, vas-y. Putain, mais dégage. Euh, recherche. Ok, j'ai deux intello. Donc les recherches, pareil, hein, comme Ringworld, là on va mettre tout le temps. Hop. Alors les recherches, comment ça se passe Là, vous allez voir, c'est une petite, une petite variante du système de recherche habituel, mais qui est intéressante. Là, vous voyez que ici, j'ai mes chroniques. La recherche, en fait, ça se fait en écrivant des chroniques, en écrivant des bouquins, en gros, en chroniquant la vie du village. Là, vous voyez que j'en ai 25 et que je peux les dépenser. Donc, je les dépense, je déverrouille l'architecture, ça va m'ouvrir les poutres. Je déverrouille. Ça ne détruit pas les 25 chroniques que j'ai déjà faites, mais ça me dit que... J'en ai plus que 10 de disponibles, puisque j'en ai, ai, ai utilisé 15 pour déverrouiller ça. Donc là, si par exemple je veux déverrouiller l'agriculture, il faut ici que j'ai euh, 25 plus euh, 10. Euh, bon, voilà. enfin, le truc c'est que la science ne se détruit pas, les chroniques ne se détruisent pas. En revanche, ça c'est intéressant, si jamais il y a un raid de NPC qui arrive ils vont dans votre réserve et puis ils vous volent vos chroniques ou ils vous détruisent vos chroniques, et bien là vous perdez les trucs, euh, les trucs de l'art technologique que vous, avez, euh, que vous avez déverrouillés. Vous voyez ce que je veux dire Si vous aviez 100 chroniques et vous n'en avez plus que zéro, et ben poum, vous retombez au début de l'art technologique. Voilà. Alors je ne l'ai pas vu encore en pratique, hein, j'ai vu que c'était dans le tutoriel, mais ça je trouve ça marrant de devoir protéger un peu les, les, la, la production littéraire, les chroniques qu'on fait pour, pour garder son, son niveau technologique. Voilà, c'est cool. Ça n'a pas grand sens de se faire voler son savoir, Yutani. Qu'est-ce tu veux que je te dise, Yutani Qu'est-ce tu, qu tu veux que je te dise Qu'est-ce qu tu veux que je te dise Oui, bien sûr, ça n'a pas grand sens d'un point de vue réaliste, mais on est dans un petit monde imaginaire avec des personnages qui ont des têtes où il n'y a même où il y a même pas de Dieu dessus. Donc euh, voilà. Si, c'est intéressant, ça fait un truc, à, ça fait un truc, à, un truc à protéger. Voilà. Bon. Ouais, 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 je donne sa chance au produit. Après, ça c'est mon défaut, ça. Je sais que je suis trop gentil, je suis trop dans la générosité, trop dans l'altruisme. Vous voudriez peut, sûrement que je sois plus méchant. Je le sais bien, mais vous savez quoi Non, je tomberai pas là-dedans. Vous mourrez pas. Vous, vous n'aurez pas ma liberté. Vous n'aurez pas ma liberté d'aimer le jeu vidéo. Voilà. Quand la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, il y eut des conséquences, dit Delenda. » Eh bien voilà. Tout à fait. Voilà. Effectivement. Imagine Yutani, parce que tu mets très terre à terre. T'as la recette du ragoût, là, bon, qui est sur un petit papier. Bon, euh, Un méchant arrive, il te folle ta recette de ragoût. Si tu l'as pas mémorisée, c'était des paysans à l'époque, ils n'avaient pas une grosse mémoire. Si tu l'as pas mémorisée, bah, tu peux plus faire de ragoût. Donc faut que tu réapprennes à faire du ragoût en faisant, en la réécrivant, tu vois. Voilà, moi, ça me paraît. Moi, ça me paraît, moi, ça me paraît bien. Quand j'ai paumé mes Mickey j'ai perdu mon enfance. Oh. Moi j'avais paumé j'ai paumé euh, mes Picsou Magazine, je bien gardé les sous Magazine. C'était cool les sous Magazine. Alors, il me dit de bâtir mes défenses. Alors. Attendez, je vérifie si j'ai rien oublié. Euh, au niveau recherche, je vais débloquer l'agriculture, comme ça ça sera fait. Alors l'agriculture au début je vous déconseille de faire des champs gigantesques, il hein, n'y en a vraiment pas besoin. Où est-ce que je vais faire mon agriculture Je vais faire mon agriculture. Bon, comment j'organise mes défenses Réfléchis. Euh, comment est-ce qu'on va faire Je voudrais me construire un petit truc en hauteur. On va. Ok, on va faire un truc comme ça. Alors, je pense que j'aurai pas le temps de les construire euh, avant la première attaque. Quoique, sait-on jamais. On va faire un truc comme ça, se garder un peu de place. Hop. Hop. Là, juste je marque comme ça. Hop. Non, non, monsieur. Pas comme ça. Euh, là, c'est bien aligné. C'était aligné sur quoi ça Ça devait être aligné sur ça. Hop. Hop. Ok. Là, on va faire pareil. En se laissant un peu de place pour de futures constructions, on va faire ça, ça... Hop... Euh, ok. Allez-y, construisez. Combien j'ai de bois Il va falloir que je me fasse du bois. Alors, euh, là, voilà, là, c'est pour l'instant, ce que j'ai vu, le seul, le, le, la seule possibilité d'augmenter la taille de la colonie, c'est si vous avez quelqu'un qui se ramène qui dit Oulala, là, là, on me poursuit, est-ce que vous m'acceptez Vous l'acceptez. Si vous l'acceptez, les gens qui la poursuivaient vont déclencher un raid d'ici quelques, quelques temps. Donc, euh, j'accepte Baldwin, Alec Baldwin, le fameux acteur hollywoodien qui était très bon dans euh, Sorty Rock. Euh, il fait donc partie de ma colonie, Baldwin. Il est blessé, il va aller se reposer. Il a son petit lit tout près, il a de la bouffe. Je vais juste regarder ses compétences. Euh, compétences. Corps à corps, il est pourri. Enfin, non, ça va, ça va. Il est pas dégueu en fait en combat. Euh, on va le mettre en tireur, tiens. On va lui donner le roi. Ouais, il est 11 en tireur, c'est très bien. Donc, euh, Baldwin, équipe-moi l'arc. Parce que les archers sont très importants dans les, dans les combats. C'est les damage dealers en fait. Euh, ok, on va faire un petit un petit mur ici entre les deux parce que sinon ils vont passer par là. Hop, hop, hop. On va faire un petit mur ici aussi. Voilà, on commence à avoir un petit, un petit village, un petit village. Merci Solexine d'avoir fait un abonnement à Wolfmic. Un pouce ou euh, Solexine77. Ah, pardon, je me suis fait Excusez-moi, j'ai pas vu. Excusez-moi, excusez-moi, désolé. Euh, merci Sekirio, pour le. pour le le, le sub. Euh, merci Daz Ah Daz d'ailleurs, je t'enverrai un DM Twitter. Euh, je t'enverrai un DM Twitter bientôt, euh, Daz. Euh... Je te, je, te, je te le dis, surveille, surveille, TDM Twitter. Merci Daz pour le raid, c'est très gentil. Il joue à quoi Daz avant Il joue à quoi Daz en ce moment Il a fait quoi Il a fait du Elite Dangerous Il a fait son Space Truck Simulator Hearthstone Diskate Qu'est-ce que c'est Ah c'était l'émission. Ok d'accord. Ok c'était l'émission. Euh... C'était l'émission. D'accord. Ok ok. Alors, euh, oui pour les gens de Daz, hein, c'est Going Medieval, euh, c'est un Rimworld-like avec du Z-Order, de la 3D, euh, sorti en early access, il euh, euh, cet après-midi, cet après-midi. On était en train de construire une jolie petite base. Alors, 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 qu'est-ce qui manque Je suis sûr qu'il manque des ennemis approchent. Oui, alors faut que je fasse mes défenses. Alors, là attention, est-ce que j'ai, est-ce que je peux unlock, euh, est-ce que j'ai unlock les, qu'est-ce que j'ai au niveau défense là Ok, ça c'est cool. Alors, on a 21 heures. Est-ce qu'on va avoir le temps de construire ça D'où est-ce qu'ils vont venir les ennemis Faut que je chope où sont les ennemis. Euh, Ils sont pas apparus encore. Ok, je pense qu'on va avoir le temps de construire. Donc, regardez ce qu'on fait pour les défenses. Et là, on va utiliser euh, le truc par étage. On va faire une petite. Euh, une petite. Tour de tour pour nos archers. Alors, il va falloir qu'on en fasse deux parce qu'on ne sait pas de quel côté ils vont, ils vont arriver. Euh, et là, alors regardez comment on fait ça. Euh, où est-ce que je peux la faire Est-ce que je ne la ferai pas ici euh, Non, je vais faire une... Je vais faire un chemin de ronde. Je vais faire un chemin de ronde pour les archers. Ça va être cool. Alors, euh, je vais faire un chemin de ronde de deux longueurs. Ouais, comme ça. Je vais faire ça. Là, regardez. On met de la poutre. Attention. Regardez la poutre, comme elle se place. Hop Et hop. Là, déjà, on se dit oulala, là là, attention Je vais faire la même chose de l'autre côté. Euh, J'avais dit de. Hop J'ai pas fait de bêtises. Putain, mais pourquoi j'ai construit un. Je suis con d'avoir construit un truc ici, là. Annule, voilà. Je refais ma poutre. J'avais raté ma poutre. Ah, il miss my poutre voilà, ok, on va pas construire de murs, c'est pas utile. Euh, ok, ok, là je le fais ici, c'est impeccable. Du coup je fais ça comme ça, ça comme ça. Donc on va attendre qu'il fasse les poudres, ensuite on pourra mettre un sol sur l'étage au-dessus, et ensuite on mettra des petites fortifications. Même les viewers de death trouvent ce campement trop carré. Oui, bah écoutez, euh, c'est pour vous montrer. Voilà, je suis allé au plus rapide. Euh, mais moi je trouve qu'il commence à avoir un petit charme, euh, ce... Ce petit truc. Euh, voilà. Je, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Salut Fabfix. Euh, Est-ce que j'ai du bois? Non, j'ai pas de bois. Allez, j'ai me reste 18 heures. Le stock de réserve de nourriture est faible. Ah merde, ça m'arrange pas. Bah attends, c'est bon, je vais dire à goût, ça va. Euh, je vais leur demander peut-être. Bon alors, le premier combat sera pas trop difficile. Euh, après, euh, je trouve qu'il ça... faut se méfier après, parce que les combats euh, peuvent com commencer rapidement à être, être difficiles. Il y a un Baldwin qui se laque, il est où Baldwin Qu'est-ce qu'il fout Bah, ouais, Baldwin il est blessé. Putain, il est mal, Baldwin, là euh, Sa santé, comment ça se passe? Ah ouais, lacération mineure, il a une commotion légère. Euh, je vais peut-être mettre un de mes colons en... Enfin un de mes habitants en convalescence. Convalescence, je crois que c'est. Euh, non, soigner, soigner. Qui est-ce qui soigne bien Tiens, toi, vas-y, va le soigner. Là, parce qu'il a un peu de mal, le machin. Là. Il a un peu de mal, pépère. Je crois que je vais lui apporter des repas et tout comme dans, euh, comme dans Rimworld. « C'est du LGCO mais en médiéval, dit Mister Slurp. Ah, écoute, Mister Slurp, je sur leurque le, sur le channel Satisfactory du Discord. Je vois ce que vous faites, toi et tes petits amis, sur Satisfactory, hein, avec vos espèces de bases dégueulasses où vous êtes tous en train de vous dire. Non, alors sur le channel euh, Satisfactory du Discord. Genre, il y, y a un débutant qui poste un truc, mais pourri, où il y a tous les, les fils qui partent dans tous les sens, il y a les tapis roulants qui vont dans toutes les directions et tout. Et puis, ils sont là, ouais, super, c'est pas mal et tout. Et moi, je me retiens de dire, oh, mais... je, vous ai, je vous ai montré la voie. Je vous ai montré la voie sur Satisfactory. Et quand je vois ce que vous faites maintenant, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'interviens pas parce que je veux blesser personne sur le channel. Voilà, c'est votre petit endroit de discussion, je le respecte. Mais alors, je vois des screenshots passer, mais des trucs. Récemment, j'ai vu une espèce de tour colorée. Là, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'était dégueulasse. Bon, alors voilà, pas de critique. Hein. Les gens de Satisfactory, je vous ai, je vous ai tout donné sur Satisfactory et vous, vous avez rien pris. Vraiment, vous avez rien pris et ça m'a énormément déçu. Euh, faut, faut y aller là sur le bois les pépères. Là, euh, les ennemis approchent dans 8 heures. Ok, vous allez voir les combats, c'est vraiment exactement comme dans Rimworld, même principe. Oui, c'est toi, Oli. Oui oui c'est toi ta tour là espèce de tour euh... <laughs> t'as fait une tour avec des couleurs je sais pas ce que t'as fait salut à la C je, je sais pas ce que t'as fait <laughs> j'ai vu le truc j'ai fait oh et les gens ils disaient ah c'est beau c'est beau ah, c'est alors que moi je vous ai donné une usine mais je vous ai fait un truc magnifique voilà non mais de toute façon je le sais. vous savez quoi je vais arrêter de je vais arrêter de vous donner en fait sur Twitch je vais commencer à prendre maintenant. J'ai je, je, voilà, trop donné. J'ai trop donné peut-être bien avant l'envie. Bien avant l'envie. Et j'ai peut-être oublié les rêves et les merci. De parce que c'est tout ce qui fait un prix, hein, les révélés, merci. Hein, finalement. Alors les ennemis approchent dans 3 heures. Euh, Est-ce que tout le monde a une arme Oui. Baldwin, il continue à pioncer. La tour de défense ne sera pas prête. On la, on la fera après le premier combat. C'est pas grave. On va, on va, on va s'occuper du coin. Je vais faire une petite sauvegarde parce que si je me prends deux morts quand même, ça me ferait chier. Euh, stream 01, hop. Reprendre. C'est pour habiller la tour, dis-toi que j'aurais pu faire encore pire. C'était déjà, déjà pas mal pire. C'était déjà pas mal pire. Euh, voilà, donc là j'ai un raid. Hein. Euh, donc euh, ils me réclament Baldwin, donc je peux leur laisser Baldwin ou je peux défendre Baldwin. Évidemment, qu'est-ce que je vais faire eh bien, je, vais, je vais défendre Baldwin parce que maintenant je m'y suis attaché. Euh, hop, voilà. Ok, donc où est-ce qu'ils sont ils sont ici, donc ils devraient probablement attaquer par là. Donc, alors là le but, donc enfin le but, là le, le principe, on les sélectionne tous, on les enrôle tous, c'est exactement comme dans Rimworld, et puis là après ça devient un petit str. Vous connaissez euh, la chanson. On va mettre... Alors là, si j'avais pu faire mes trucs de défense, là, j'aurais mis mes archers en hauteur, parce que les archers ont un gros bonus quand ils sont en hauteur. Là, on l'a pas, donc on va mettre euh, les archers derrière, on va les placer comme ça, et puis on va mettre euh, les gens au corps à corps devant, en espérant qu'ils fassent tank, mais souvent, le problème, c'est que les ennemis sont pas cons, et ils rushent les archers. Euh, qui est-ce qui bouge pas, là C'est qui, toi Pourquoi tu bouges pas Vas-y, Pépette, tu peux bouger. Vas-y. On va accélérer un tout petit peu le temps. Non non Calémanudo, je, je pense que j'ai bien euh, j'ai bien euh, j'ai bien tout fait. Alors les pépères on y va, on se dépêche. Oh. Alors, j'aurais pu jouer avec le relief, j'aurais pu trouver une petite colline, par exemple, j'aurais pu m'installer ici, mais je crois qu'on peut si on pouvait y accéder par là pour quand même avoir un bonus de un bon, le bonus des archers, mais bon, c'est pas c'est pas très grave. Voilà, vous allez ici, euh, vous vous allez me focus le pépère. Allez, allez, allez. Voilà, allez allez, 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 allez. allez, ça crève. Allez, ça crève. Allez, ça crève. Allez, ça crève. Euh, il était limite, elle était Vas-y, 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 vas-y. Non, 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 non. On va la manquer, c'est bon. Putain, elle a pris cher, quand même, Margaret, là. Oh non, elle est sans connaissance, c'est bon. Euh, ouais, enfin, elle est sans connaissance, quoi. Condition critique, qu'on lance sans connaissance. Alors, euh, ouais, butez-le-moi, là, le Jeffrey, là. Allez-y, voilà, voilà, merci. Alors, euh, on va les désenrôler, évidemment. Est-ce que je me suis pas trompé de raccourci clavier si c'était, c'est ça, c'est bien. Euh, et par contre, Pépette, je voudrais bien qu'on l'emmène dans le lit. Porter ce colon dans un lit vide. Ok, là reçu. Comme Rimworld. Et la retraite, tu connais, dit, dit Damien Narushima le pleutre. J'ai voulu l'enlever le, du combat et puis je me suis dit non, elle va tenir. Et puis finalement elle a, elle a pas tenu. Alors, on va se mettre aussi tout ça dans la réserve, parce qu'il va y avoir sûrement des trucs. C'est quoi déjà C'est un cerf. Hop Voilà, il y a des petits trucs à récupérer. On va pas toucher au cadavre. On va les laisser pourrir ici. Il y a un bûcher pour brûler les, pour brûler les cadavres. Si ça vous intéresse. Euh, hop, hop, hop. Ça, on prend parce que c'est un casque. On va tout de suite le filer à Margaret. Ah ben non, Margaret, je crois qu'elle est dans le coma, Margaret. Ouais, ok. Voilà, c'est bon, elle se fait soigner. Tout va bien. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces petits colons. Ils sont, ils sont bien comme tout. Ah, pas le mmh. temps, je le lis depuis le début. Hein. C'est tout, tout pomper sur Rimworld. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes principes, les mêmes mécanismes, la même interface. Euh, voilà. Euh, je vais accélérer le temps. Alors, euh, on va continuer la construction euh, de nos petits tours de garde. Donc là, je fais un sol à l'étage. Je fais aussi un sol à l'étage ici. Il faut que je fasse des petits escaliers évidemment. Comment est-ce que je vais faire les petits escaliers Je vais faire les petits escaliers. Euh... Je pourrais les faire comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bien ça. Hop, Hop. Euh, ok... Qu'est-ce qui me manque J'ai la table de recherche... Au niveau recherche... Euh, on va... On va... On va... On va... Alors, la confection, je crois que c'est pas urgent, parce que là, on est au printemps, l'hiver arrive, mais on a déjà des vêtements d'hiver de base. Euh, conservation des aliments... Euh, le stock de... Faut que je m'occupe un peu de la nourriture. Oui, il faut que je fasse l'agriculture. Je vais faire l'agriculture, je vais commencer à faire des petits champs. Euh, alors je vous le dis, hein, les champs on les faites pas trop grands au départ parce qu'on a vraiment pas besoin de les faire grands. Où est-ce que je peux faire mes champs Je vais faire mes champs à l'extérieur. On n'a pas trop de place. Euh, on va faire un, deux, trois, quatre. Un champ de chou et puis on va faire un petit euh, un champ de un champ de carotte et on va faire un champ de lin pour les vêtements si jamais on a besoin. Euh, champ de lin si je fais ça. Euh, c'est un peu moche, c'est un peu moins moche. On va faire un petit chandelin comme ça. Voilà. Euh, on est pas mal. Des villageois sont épuisés. Ok, recherche disponible. Alors recherche, qu'est-ce que je fais en recherche C'est-à-dire que ça, c'est pas tellement urgent. Conservation des aliments non plus, brassage non plus. Il y a rien de très urgent là. Si, on va découvrir le mobilier pour qu'ils aient des lits un peu plus sympas. Ça leur a, ça améliorera leurs humeur. Salut Miss Lucat Ou alors per... Attends, hein, c'est euh, que le début. Hein, donc, euh, faut voir après comment ça évoluera. Mais pour l'instant, effectivement, voilà, c'est très. Ça a l'air très rimoir, hein, forcément. Hein. Ok, des villageois sont épuisés. Eh ben, allez au pieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors, on peut gérer leur, euh, leur emploi du temps euh, ici, voilà, pareil, hein, euh, sommeil, euh, loisir, tout ça. Il faudrait que j'en mette un petit peu de loisir au pépère d'ailleurs. Ouais, je l'ai fait bosser jusqu'à 22h. Vous savez, le soir, pour moi, ça doit être, euh, ça doit être le, le moment du loisir, le moment de la détente, le moment de la convivialité. Donc à partir de 20h, euh, voilà, il y a un petit peu de loisir, parce que là, sinon, il travaille... Attends, il se lève à, à 5h du matin. On savait bosser à l'époque. Hein. C'est pas comme les milléniaux d'aujourd'hui, hein, qui se lèvent à 11h. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Merci, Mister Loucat, pour son abonnement Prime. Un pouce au frérot. <laughs> Alors, euh, on a construit le mur. Ok. Si je sais ce qu'on va faire, il va falloir très rapidement. Et oui, il va falloir très rapidement qu'on construise une réserve souterraine pour que les aliments ne périssent pas. Vous allez voir, attention. Alors, dès qu'on a fini ça, on s'y met. Au niveau bois, je suis comment C'est toujours euh, la hesse, le seum, comme on dit. Non, mais tu leur as donné des heures de sommeil. Le reste, n'importe pas en travail. Merde. Et je fais une erreur. Loisir. Hop. Je vois ce que tu veux dire Rubon. Euh, Est-ce que je leur impose du... du, du... C'est-à-dire que je ne connais pas encore... Par exemple, j'ai peur que si je leur mets du travail là, ils n'aient pas un petit repas à midi et que du coup. Euh... On va faire... Bon, on va leur faire une petite matinée assez sérieuse de 5h à 13h. Ensuite, on leur laisse un petit peu de temps. J'ai envie quand même de leur mettre une heure de sommeil de plus parce que le sommeil c'est important. C'est important le sommeil. Merci euh, Winston76 pour le Prime. Un pouce ou frérot, frérot. Merci aussi Nucléaire Doble... pour le Prime. Un pouce ou frérot, frérot. Il faudrait que j'ai un petit, un petit euh, gif animé de moi en train de faire pouce ou frérot, frérot. Et puis je pourrais le lancer comme ça. Euh... Ah, je vais faire ça, tiens. Ça rajoutera de la production value euh, à l'émission. Un pouce ou. Est-ce qu'à. Est-ce qu'à. est Pouce pour ton cinquième mois consécutif, merci pour le soutien. Avec vous, alors que 7h de travail de suite dès le matin, bon, vous savez, moi c'est ce que je fais. Hein. Moi je suis debout à 4h, je travaille jusqu'à midi, euh, ensuite je mange sur le pouce, euh, et puis c'est reparti jusqu'à 22h. Ces streams là, vous vous rendez pas compte de ça. Ce stream, ça fait 4 jours que je le prépare, hein. un stream de 2h. Vous multipliez par 10 le temps de préparation, c'est 20 heures de préparation. Alors vous vous rendez pas compte, évidemment. Vous croyez que j'arrive comme ça, là je mets mon petit polo, j'allume le truc, salut les pépères, salut les mémères. Hop, 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 hop. Réunion de, pro... de pré-production, réunion de production, réunion post-production. Il y a les effets spéciaux, il y a... Non, non, c'est organisation. mais vous vous rendez pas compte. Alors, un truc que j'aime bien, c'est que là on peut faire des petites défenses jolies avec des merlons en bois. Eh oui. Euh, donc, regardez comme c'est mignon. On va faire des petits merlons derrière lesquels pourront se protéger euh, nos archers. Alors on fait ça comme ça, tac, 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 tac. Euh, dans les coins, on mettra des merlons spéciaux parce qu'il y a des merlons de coin, figurez-vous. et eh oui, la vie n'est-elle pas savoureuse hop, 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 Et là, merlon de coin. Il faut choper la bonne orientation. Hop, hop, hop. Vous allez voir comme c'est beau. Je trouve ça mais mignon, mais mignon comme tout. Ok. Je vais peut-être faire un merlon de coin ici. Euh, esthétiquement, ça sera, ça sera plus funky, vous allez voir. Hop, hop, voilà. Alors, je fais mes petits merlons ici. Là, je ne peux pas encore les faire, c'est pas construit. Enfin, je pourrais les faire, mais euh, attends. je vais que ça soit construit. Merci, Krusty Corben. Un pouce ou frérot, frérot, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Alors, que font-ils ces petits pépères euh, Le bois, c'est toujours la misère. Alors, il y en a plein là. Il faudrait que je... Je suis à 4 colons là. Ouais, non. C'est comme dans Rimworld, un truc intéressant, c'est toujours... Parce qu'en fait, ils comptent pas le bois. Qui... Ici, là, ce qui s'affiche, évidemment, c'est uniquement ce qui est dans les... Dans les réserves, dans la réserve ici. Euh, C'est toujours intéressant, à partir d'une certaine taille de colonie, d'allouer un colon uniquement au transport des marchandises. Euh, mais là, je le fais pas parce que j'ai que 4 colons. Elle est toujours... Euh, elle est toujours... Euh, Margaret, hein, elle, est, elle est pas contente. Hein. Elle est toujours blessée, elle met du temps à se, elle met du temps à se remettre. Euh, je vais regarder un peu les compétences de Baldwin... Baldwin... Oh bah ben oui, fais-moi de la construction, t'es passionné par la construction. Deux étoiles, c'est-à-dire qu'il est super passionné. Euh, Qu'est-ce que tu peux me faire de L'extraction, très bien. Tu vas me faire de l'extraction parce que j'aurai besoin de quelqu'un qui sache faire de l'extraction, et toi aussi. Euh, lui, il fait de la cuisine, ouais, recherche, non, on va le laisser comme ça. Euh, ok. Alors, on est au huitième... Prochaine étape, on est au huitième jour du printemps, je crois que les saisons ont 12 jours, un truc comme ça. Euh, L'été va arriver, et en été... Le problème c'est que si on stocke la nourriture... Putain j'ai toujours un stock de nourriture faible. Ah mais je m'en occupe pas de ma nourriture aussi. Attendez, je vais faire un petit coup de nourriture. Si on. Les, les stocks de nourriture en fait pourrissent rapidement en été à cause de la chaleur, parce qu'il y a une gestion de la température. Et donc ce qu'il faut faire, c'est les enterrer en sous-sol. Enfin, c'est les mettre dans une dans une cave, quoi, en sous-sol, où la température est beaucoup plus faible et où leur date de péremption euh, est, multipliée par, euh, est multipliée par 10. Euh, récolter ça. Est-ce qu'il n'y a pas des champis, quelque part alors je peux faire de la chasse aussi, j'avoue je le fais pas parce qu'il n'y a pas trop besoin en fait. Je m'en sors très bien avec les avec les, les trucs de base, enfin avec les petites, euh, les petites baies, les petits champignons. Ok euh, je vais peut-être récolter ça aussi, ça fera un peu de toit de chaume. Hop hop, hop. Euh, Des villageois sont affamés. Alors attention alerte rouge. Ouais, mais faut que Pépère il me fasse. Euh, il me fasse. Ah ouais, mais j'ai plus rien putain. Ah, c'est parce que je discute pendant le stream, tout ça. Merci tant bien pour le Prime. Un pouce ou frérot, euh, frérot, frérot. Merci aussi Roland, fesse moche. Merci Roland, fesse moche. Un pouce ou frérot, frérot. Je suis sûr que tes fesses elles sont très jolies, Roland. Les carottes poussent toutes seules, rien à gérer, demande Force de Game. Euh, faut les planter. Et ensuite, elles sont récoltées automatiquement. Tu vois, il y a un temps de maturation. Voilà. Phase de croissance actuelle jeune. Récolte maximum dans 7 jours. Quand la récolte maximum est atteinte, ils y vont direct. On n'a même, même pas besoin de spécifier récolte. Comme dans Remwall. Pareil que dans Rainbow. Et Puis évidemment, la priorité se gère avec le travaux. Tu vois que tu as récolte ici, croissance ici. Donc voilà. C'est tout automatisé. Par contre, les champs sont un peu moches, regardez. En fait, je trouve que les petits carrés de terre, là, comme ça, c'est pas beau. J'aime pas l'écart qu'il y a entre les carrés de terre. Et ça reste. C'est pas grave, mais euh, toujours important d'avoir des beaux champs dans un, dans un jeu de survie. C'est un point en plus, un beau champ. Alors, faut que je vérifie que j'ai bien un cuisinier qui fasse que de la cuisine. Ah oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que j'ai un cuisinier, mais euh, ouais. Alors, euh, non, toi, tu vas pas faire de la recherche. C'est lui qui va faire de la recherche. Il est moins fort, évidemment. Il a 8 au lieu de 21, ça ira moins vite. Mais euh, il est passionné, donc il gagnera plein de points d'XP. Et puis toi aussi tu vas me faire de la recherche quand tu as du temps. Et par contre donc euh, euh, Margaret elle va se consacrer uniquement sur la recherche. Il voilà. faut vraiment qu'elle me fasse... Euh, non sur la cuisine pardon. Faut vraiment qu'elle me fasse que de la cuisine Margaret parce que là sinon euh, c est, c est... je vais commencer à avoir des colons affamés. Pour plein de choses, j'ai l'impression que ce sont juste des zones délimitées. Même pour du lot poli, ils reviendront dessus. Euh, oui, je j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Oui, d'accord, si, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est juste pour l'instant un placeholder euh, qui délimite l'espace de... Et puis ensuite, ils, ils reviendront dessus. Oui, oui, je ne m'inquiète pas, hein. pas. Je m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Margaret est soignée. On a des trousses de soins euh, qui sont. Euh qui sont ici trousse de soins simple alors j'ai pas encore du tout regardé le côté médecine je pense pas qu'il y aura des amputations et tout à la Rimworld ça m'étonnerait euh, j'avais débloqué j'avais débloqué le mobi. je vais débloquer qu'est-ce que je vais débloquer est-ce qu'on peut faire des armures en vêtements d'été peut-être euh, j'aurais dû, dû leur faire des vêtements d'été mais je l'ai pas fait bon oh, c'est pas grave ils ont un peu chaud cet été je l'ai pas vu tout à l'heure qu'ils avaient quand je jouais qu'ils avaient des qu'ils avaient qu'ils avaient chaud en été on va débloquer C'est-à-dire je sais pas trop comment les utiliser les briques encore. On va faire de la brique. Voilà. On va faire de la brique. Conservation des aliments, bah en fait normalement j'ai pas de soucis au niveau nourriture. Puis là avec l'échange j'en aurais pas du tout. Euh, les, les, les baies repoussent très vite et tout. Donc euh, des villageois. Je dis j'ai pas de soucis avec la nourriture et j'ai des, des villages sont fait... à Mais c'est parce que je j'étais pas concentré. Normalement, quand on fait attention, qu'on récolte régulièrement les baies et tout, il a pas de soucis. Euh, ok. Je pense pas qu'ils bouffent de trucs crus, quoique je les ai vus avoir un malus d'humeur parce qu'ils bouffaient des trucs crus. Bon. Et faut, ouais, faut vraiment que je commence à faire la réserve là. Il faut que d'abord que je règle que je fasse un peu de nourriture. Et puis ensuite. Mais qu'est-ce que tu fais de la recherche, Pépette C'est parce qu'il n'y a, a pas de ressources, ouais, y a pas de ressources. Euh, Est-ce que je commence à faire l'extraction maintenant Je vais faire l'extraction maintenant. Alors Le jeu n'a pas l'air très premier degré, non, dit Kazarja. Qu'est-ce que tu veux dire Ah, oh, si, moi, il m'a l'air très premier degré, quand même. Oui, ah ouais, ok, a l'air très premier degré. Oui, oui, il n'y a, y a pas de. Il n'y a, y a, euh, y a, y a, y a pas ces petites touches d'humour euh, qu'il y avait dans Rimworld. C'est serbe, hein. c'est un jeu serbe qui a été développé à Novi Sad. Euh, deuxième ville de Serbie, 230 000 habitants. Capitale européenne de la culture 2021, euh, connue pour sa forteresse, la forteresse Pedro Vatkin, construite par Charles eugène de Croix. Euh, je vous dis ça parce que figurez-vous, c'est ce que je vais je, je... que je le mette dans le test. Avant-hier, je suis sur Flight Simulator. Je fais un vol entre euh, la République tchèque et la Turquie. Et puis, euh, vous savez, quand on est en régime de croisière, on regarde un peu ce qu'il y a à droite à gauche. Et puis, je vois qu'il euh, y a la ville de Novi Donc, je vais sur la Wikipédia et je me renseigne sur Novi Le lendemain, je me renseigne sur le studio qui a fait euh, Going Medieval. Ils viennent de Novi La vie n'est-elle pas extraordinaire C'est incroyable, hein les, les coïncidences comme ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'avais lu la Wikipédia de, de, de Novi Sad juste avant de, de jouer au jeu. Ah, c'est fou, mais je, 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 je suis d'accord, c'est dingue, effectivement, c'est dingue. C'est peut-être un signe, hein. je vous jure, si dans les prochaines semaines je retombe encore un, sur un truc de Novissade, c'est un signe qu'il faut que j'aille m'installer là-bas. Voilà. On va en Serbie, euh, en plus, il paraît que c'est. Apparemment, c'est a l'air joli. Ils ont une petite rue piétonnière touristique qui s'appelle la rue euh, Dunavska, Durznatska, un truc comme ça, et c'est sur les bords du Danube. Voilà. Je pourrais me baigner dans le Danube. Belgrade, c'est génial, dit Pégé les cochons. Sûrement, c'est vrai qu'on pense pas aller à Belgrade, pas hein, parce que Belgrade a eu mauvaise presse il y a quelques années. Mais euh, c'est vrai qu'on pense pas. Je sais que plein de gens disent que la Croatie, la Split, Dubrovnik, tout ça, c'est extraordinaire. C'est très, c'est voilà, c'est un peu un saint tropé, le saint tropé des Balkans. Euh, alors, oui, donc regardez comme c'est joli. Non mais regardez-moi ça. Voilà, là, on a le Z-order, on a un beau truc. C'est cool. Et si on veut pas l'afficher, vous voyez ici en fait j'ai l'affichage du nombre de la couche. Donc là je. Voilà, je peux je peux choisir d'afficher comme ça. C'est comme ça qu'il gère le Z-order. Ce que je trouve pas con du tout. Euh, voilà. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Je trouve ça pas con du tout. Et puis la sélection se fait facilement. Des villageois sont épuisés. Bah pourtant je vous ai donné plein de loisirs, des trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai en repas J'ai 8 ragoûts, bon, ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah, si ce week-end ça tombe sur GeoGuessr, euh, Rabbitman, enfin vendredi plutôt, euh, euh, ça serait génial. Euh, serait... Tiens d'ailleurs, petite parenthèse. Une petite parenthèse. Donc vendredi prochain on se retrouve, je vais laisser le truc tourner, ça, ça marche très bien aussi. Vendredi on se retrouve pour du GeoGuessr à 18h. Dimanche on entame la, la grande saga Carbalspace Space Programme. Je vous avais dit la dernière fois qu'on n'allait pas faire RP1, Hero, RSS parce que c'était trop compliqué. Finalement, je m'y suis remis, j'ai réinstallé les modes bien comme il faut, j'ai lu toutes les Wikipédia et tout, ça marche au poil. Alors c'est une usine à gaz, hein, mais ça marche au poil. Et alors, vous allez voir, j'y avais déjà joué il y a un an et demi, deux ans, j'avais trouvé ça génial, ils ont super amélioré le truc. Vous allez voir comme c'est bien, c'est génial. C'est les fusées qu'on fait, la beauté des fusées, c'est génial. Alors c'est compliqué. Mais c'est voilà. une horreur. Mais en fait, on s'en sort en regardant un peu ce qui se faisait à l'époque, tout ça. Et vous allez voir, c'est super cool. Vous allez voir, c'est génial. Vous pouvez vous, pouvez vous renseigner, c'est KSP RP1, donc uh, Realistic Progression 1. On est dans le vrai système solaire. Donc vous avez la Terre et tout. On a les vrais sites de lancement. On a les vraies pièces d'époque. Les vrais moteurs. Les vrais réservoirs. Les vrais carburants. On a le vrai moteur physique. Les vraies altitudes. Euh, les vrais paramètres aérodynamiques. Vous allez voir, ça va être d'enfer. Il faut gérer les temps de construction des fusées, il faut gérer l'entraînement des astronautes et tout. Ça va être formidable. Ça va être formidable. Donc euh, dimanche prochain, 18h. Et en plus, si vous voulez vous remettre à KSP, je vous conseille vraiment de suivre euh, le stream de dimanche 18h parce que je vous donnerai quelques astuces sur comment bien démarrer, euh, aussi bien au niveau technique qu'au niveau euh, gameplay dans, euh, dans RP1 pour vous en sortir. Parce qu'au début, la, la, la courbe d'apprentissage euh, est, est rude, elle est rude, elle est rude. On sent que le jeu, euh, c'est pas pour, c'est pas un jeu casu. Voilà. C'est pas le truc que tu lances un quart d'heure de temps en temps pour te détendre. C'est euh, tu le lances par, euh, par session de 4 heures pour devenir complètement fou parce que il te manque 300 mètres secondes de delta V et que t'as et que pas débloqué le bon réservoir. Enfin bon voilà. Mais c'est génial, c'est génial. Enfin, je dis ça, ça se trouve, j'ai fait une dépression nerveuse au bout, de, au bout de 3 épisodes du stream. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a vraiment l'air très cool. Euh. Qu'est-ce qu'il a Des villageois sont épuisés. Oui, bah vous bossez, s'il vous plaît. Ça suffit euh, les nia 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 là. Euh, vous bossez. Ok, donc là on sera un peu mieux paré pour le prochain raid. Alors je pourrais fermer, débloquer des portes renforcées et tout. Bon, je vais pas le faire pour l'instant. Le, le, le prochain raid sera pas très, sera pas très méchant. Bientôt le duo avec Thomas Pesquet sur KSP. C'est quoi Je pense que Thomas Pesquet n'aurait pas le niveau pour jouer à KSP en RP1. Je pense qu'il serait perdu. Il serait perdu. Et voilà. Et... Non, non. j'adore regarder euh, l'émission qu'il a fait euh, euh, avec le monde de Jamie. Vous savez, c'était rediffusé il n'y a pas longtemps. J'adore cet épisode du. Je crois que c'est le monde le monde selon Jamie. Voilà, Donc, ils ont fait une émission. Donc il y a Thomas Pesquet qui euh, propose à Jamie et euh, Eglantine Émeillé lantine et Meillet, euh, de faire de la Caravelle 0G, de faire, des, de faire des trucs en apesanteur dans une piscine, de faire des trucs, les, les, les centrifugeuses et tout. C'est vachement bien. Merci Romtaka pour l'abonnement. Pour un pouce sous frérot frérot Romtaka. Oui, c'est ça, c'est un scarbal, c'est un c'est pas un ingé. Enfin, cela dit, si, si c'est un ingé, un Thomas Pesquet, je crois qu'il a fait euh, Super Hero, tout ça. Euh, enfin... Bon, je... Vous savez, c est, c est, c est, c est, je, il fait partie de ce genre de personnes très énervantes qui ont fait des études brillantes, qui sont beaux comme des dieux, qui sont sportifs, qui ont tout réussi, euh, bon. Voilà. Merci euh, Niara Farseeker. Un pouce haut, frérot, frérot, bienvenue dans la commu. Bienvenue dans la commu. Si ma, si ma mère m'entendait. Ouais, bienvenue dans la commu, frérot. Ça, c'est à force de regarder des streams, euh, des streams Rocket League. Je sais qu'il faut que j'arrête. Euh, alors, on se concentre. On se concentre, on se concentre. Toujours pas top niveau nourriture. Pourquoi c'est pas top bah Parce que je récolte pas les baies. Voilà, c'est parce que je récolte pas les baies comme un débilos. Euh, elles, elles sont pas mûres. Je vais récolter du petit truc ici. Est-ce qu'il n'y a pas des petits champis dans le coin Tiens, ça je vais récolter aussi. Et euh, on arrive bientôt en hiver. Donc là, on va construire une réserve souterraine. Dis-toi qu'on avait son frère en prof de BTS, il avait l'air jaloux aussi. <laughs> ah ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est dur. Hein. Quand ton frère, c'est Tho Thomas Pesquet... Euh, ouais, c'est dur, dur. Non, mais je suis sûr que Thomas Pesquet, vous savez... Je, par exemple, Thomas Pesquet, je suis sûr que je le détruis en Rocket League. Hein. Voilà. Thomas Pesquet, vous le mettez en 1v1 sur Rocket League, je le détruis. Je le, mais je le massacre. Vous me le mettez, genre, sur du Hearts of Iron 4 ou du Crusader Kings 3, le Thomas Pesquet, je lui rabats son caquet. Voilà, je l'envahis au bout d'une de, demi-heure de jeu, et puis on n'entend plus. Mais bon. Alors, euh, on va faire donc une réserve. Alors. Là on a vu la gestion du Z-Order vers les étages, là on va avoir la gestion du Z- Order en profondeur. Donc c'est assez... Alors je pas vous dire que c'est instinctif parce que je mets un petit peu de temps, et peut-être que je n'utilise pas la méthode optimale. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire extraire et on va d'abord creuser un trou pour y mettre un escalier. On va la mettre, la réserve est ici. Euh... Ouais la réserve est là, je me trompe pas. Ouais. Donc on va faire une réserve sous la réserve qui sera accessible par un petit escalier. Vous allez voir comment on fait ça, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Euh, ouais, ok. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Euh... Ah, ça me fait chier ça. Euh, donc je vais la faire démarrer ici plutôt. Ouais, je vais faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Euh... 3, 4, 5. 1, 2, 3. On va peut-être même le faire là. Ça, du coup, on annule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, ouais si il me faut une c'est combien déjà les escaliers euh... oh c'est 3 ah oh, bah si qu'est-ce que je me fais chier donc il faut que je fasse 6 et ensuite 1 d'écart, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bah voilà, allez hop impec Thomas Pesquille te fracasse la flight simulator peut-être Thomas Pesquet, c'est un des, je crois, un des cinq pilotes euh, certifiés pour les, pour les Airbus euh, en gravité zéro là, pour les, pour les vomites, euh, les comètes, vous savez les, les, parce que pendant l'émission du monde de Jamie, et eh ben c'est lui qui pilote l'Airbus et puis il y a, a Jamie et Eglantine Méliès à l'arrière qui partent en apesanteur. Trop bien cette émission, je l'adore, je la regarde au moins trois fois. <laughs> Allez Thomas, arrête de leur que le chat et manifeste-toi, Dimitri Rand. Vous oh, suis... quoi, je suis sûr qu'il regarde. Je suis sûr que Thomas, je suis sûr que Thomas Pesquet, s'il regarde dans le fichier des abonnés, il est abonné à Canard PC. Sûr et certain. Sûr et certain. Obligé. Obligé. C'est un mec, il a fait des écoles d'ingénieurs et tout. C'est le public. C'est le public. Donc on construit un petit escalier et là vous voyez que euh, il, se place bien, euh, il se place bien à l'étage inférieur et tout. Donc c'est quand, même... quand même plutôt bien fait, euh, je trouve et on va avoir un petit escalier après ici on fera une petite barrière de protection pour pas que les enfants tombent il n'y a pas d'enfants encore hein, mais pour pas que les, les futurs enfants euh, tombent euh, toujours stock de nourriture qui est bas Ah, c'est parce que je parle cela dit j'ai neuf ragouts là ça va neuf ragouts euh, est-ce que je peux pas récolter d'autres trucs méchants est-ce qu'ils sont prêts méchants commencent à être prêts donc ça va s'améliorer gentiment par contre j ai, j ai... pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que vous faites pas la cuisine en permanence les bâtards là voilà Baldwin allez cuisine euh... C'est qui mon cuisinier à Normalement, c'est Margaret. Mais où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle cette... qu qu me fait, cette feignasse, là euh... Bah, si, elle devrait me faire. Elle devrait me faire de la cuisine H24 et elle le fait pas. C'est sa priorité la plus haute. Quand même bizarre. Là, c'est pas elle qui me fait de la recherche. Non, c'est bon. Merci, Mr Punch. Un pouce euh, frérot, pour ton 22e mois d'abonnement avec Prime. C'est gentil. Alors, on va, je crois que ça va être le dernier jour du printemps, de mémoire. Tout à l'heure, je disais 12 jours par, euh, 12 jours par saison. Euh, oui, il me oui, faut des arbres encore. J'ai oublié de couper des arbres. Euh, je vais couper. Tiens, coupez-moi tout ça. On sera tranquille un petit, un petit moment. Recherche disponible. Euh, constru... -ce fait Structure défensive. Ouais, c'est la porte renforcée. Il faut du métal. J'en ai pas encore. Tiens, on va faire du métal. On va commencer à faire du métal maintenant parce que je suis sûr que j'en aurai besoin plus tard. Bonsoir Agbo, bonsoir le chat. Inspiration Rimworld un peu pour le menu des priorités. Oui, crois 3000, tu viens d'arriver, donc bienvenue à toi, mais ça fait 1h30 que je dis que c'est... 100%, 2000%, 3000%, tout pompé sur Rimworld. Regarde même le système de, de tickets pour les trucs de production. Là, c'est la même chose. Euh, la gestion de l'inventaire, c'est un peu la même chose. On peut aussi interdire des trucs. Par exemple, les sti stimulant, on peut interdire les stimulants comme on interdit la drogue dans, euh, dans Rimworld. L'emploi le, du temps aussi. voilà. c'est tout pareil. On est bien d'accord. Mais voilà, et ça aussi c'est pareil. Hein, c'est inspiré sur Rimworld. Et on peut mettre le, on peut même le collapse. Euh... Comment est-ce qu'on le collapse déjà Je me souviens plus. Euh... On, on peut le on peut changer, ça. Je me souviens plus. Ah, si, ça doit être là. Euh... Regrouper les ressources. Voilà. On peut aussi avoir un truc comme ça, qui est finalement assez. Ouais, finalement, c'est pas mal, ça. Je vois, je vais garder ça. C'est beaucoup plus lisible que le truc avec les icônes qui ne sont pas très lisibles. Ouais, c'est bien, ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. It is best. Oui, oui, le collapse. Excuse-moi, Damien Hiroshima, de ne pas parler parfaitement français. Mais tu sais, moi, je partage ma vie entre euh, Nogent, Montargis, Ibiza et, et euh, Los Angeles. Donc, euh, voilà, vous, je sais bien que vous êtes coincé dans votre euh, deux pièces cuisine euh, à Maison Alfort. Bah, ce pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Moi, je suis un homme du monde, je voyage tout le temps, euh, donc je parle un peu toutes les langues. Euh, voilà, c'est comme ça. Pardon. Pardon. Pardon d'être international. Pardon d'être Mister International, comme Pitbull. Et euh... hey, mais vous allez me cuisiner ça les, les, les... Qu'est-ce qui te manque Dis-moi ce qui te manque. Je ne sais pas ce qui me manque. Du matériel de cuisine. Ok. Donc il lui manque de la ressource en fait. Il lui... Alors et oui, il ils entra du matériel de cuisine. En fait c'est ingrédient de cuisine. Ne vous laissez pas avoir. Euh, ok. On va récolter tout ça. Euh... Tac 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 tac. J'ai pas beaucoup de champis là. C'est la déche niveau champi. Ah ouais, j'ai pas de champi là. Et puis je pense qu'il poussait surtout euh, début du printemps. Euh... Ouais, mais j'ai plus de 3 jours à attendre. Un jour. Ouais, ça va récolter, ça va être bon. Alors là, vous voyez que j'ai commencé à avoir mon petit, euh, mon petit truc. Je vais faire encore un autre étage parce que je fais un étage de séparation. Je vous dis pourquoi, parce que si je voulais faire un truc juste en dessous de cet étage, il faudrait que je... Je crois que je ne peux pas creuser sous un sol qui est déjà posé en bois. C'est pour ça. Donc là, je fais deux étages, mais je me dis peut-être que ça isole mieux. Donc là, je peux passer dans cette... Voilà. Là, on voit l'étage qui Et là, donc, je vais... Euh, je vais continuer à extraire. Bim, bam, boum, boum. Voilà. et là je ferai un petit escalier, et ensuite je creuserai ma petite, salle. Je, cre... je vais creuser ma petite salle. Et là, vous allez voir que les... la conservation des aliments euh, augmente drastiquement. Oui, drastiquement, drastiquement, figurez-vous. Oh, c'est un peu moche ça, là. les toits qui, qui croquent un peu sur la bordure, c'est pas top. Pas grave. Euh... Allez, y récoltez-moi ça. Ouais, c'est bon, ils ont un trucs. Je devrais, en fait, je vais vous dire, je devrais faire une petite entrée ici, et je vais faire une petite entrée ici, parce que là, c'est pas au petit ce que j'ai fait. Euh, ils sont obligés de faire le tour, là, pour passer, ce toujours chien. Merci, Algin TV pour le prime. Un pouce où, frérot-frérot Algin, merci pour le soutien. Toi aussi, tu es belle, Algin. <laughs> Chiria qui dit, ça ressemble pas un peu à RimWorld, ça m'a frappé soudainement. Tiens, Chiria, tiens, frappe-toi avec ça. On peut voir les toits, un détail, mais un détail plaisant. Ouais, c'est cool. Hein. Et encore, là, j'ai fait que des toits en chaux, mais on peut faire des toits. Euh, je vais vous dire, on peut faire des toits en osier, en bois, en ardoise de calcaire. Ça, ça peut être joli. Quand on fait un, quand on fait un village tout en pierre, euh, ça, peut être, ça peut être super cool. Euh, moitié de toit en chaux, moitié de toit en osier. Apparemment, on peut faire des moitiés de toit aussi. Alors, j'ai pas trop essayé. Ah, il y a euh, Mais euh, voilà. Vous savez. Vous, je vous passe l'info. Vous l'analysez comme vous le voulez. Bon, les lyonnais dans le chat levez la main. Pourquoi ça qu'est-ce que J'ai dit un truc sur Lyon Non, j'ai rien dit sur Lyon. Ce jeu a l'air cool pour les allergiques de la 2D comme Rimworld et TV. Oui, oui. Moi, je ne comprends pas qu'on soit allergique à la 2D. Donc, elle est bien pratique dans Rimworld, la 2D. Ah, c'est entre nous. D'accord, le plus Je n'interviens pas. Je vous laisse faire vos petites manigances sur le chat. Combien j'ai 9 ragouts. Ok. Merci Blackmagic Zurgo. Un pouce Black Blackmagic euh, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Alors, ah, c'est joli. Et je vais vous dire ça, là, la petite tour de garde. Je pourrais même faire un mur, euh, faire juste un mur au coin, mettre des poutres pour relier les murs, on arrive en été, et mettre un toit par-dessus. Comme ça, les archers de garde seraient abrutés. Ça serait cool, ça serait cool. Bon, là je ne l'ai pas fait, mais, euh, mais ça serait cool. Alors, il faut quelqu'un qui me creuse un trou là. Ah, bah c'est peut-être parce qu'ils n'y ont plus accès. Oui, c'est parce qu'ils n'y ont plus accès. Donc on va retourner. C'est CTRL plus la molette de souris pour changer le. Si, il y accède Non, il n'y accède pas. C'est CTRL plus molette de la souris pour accéder au. Pour changer de. Ouais, bon, là il ne peut pas. Euh, mais s'il si ne peut pas... Pourquoi est-ce que les pépères, là, ils ne peuvent pas me creuser, là Ça m'ennuie, là. Je pas eu de soucis la dernière fois. Euh... Let me think. J'aurais dû peut-être leur dire de creuser... Je sais ce que je vais faire. Je vais leur dire de faire un mur en bois, ici et ici. Et ensuite je le détruirai. Et je leur dis de creuser d'abord ça, d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite de détruire le mur en bois. Quelle intelligence, quelle intelligence de jeu C'est incroyable. C'est incroyable cette faculté à résoudre... Euh, résoudre les problèmes euh, live. During the stream. Euh, Allez-y. Hop. Ok. On les laisse faire. Oui, fier pour penser Rimworld à la ferme, exactement. J'aurais dû mettre un texte en bas qui disait c'est comme Rimworld. Tiens, je vais le faire parce qu'il y a des gens qui vont se ramener pour le soir, là. Alors... Euh, oui, ça ressemble beaucoup à Rimworld. Euh, hop. Ah non, ça c'est moche. Ça. Euh, comment je peux faire ça comme ça Pff, comics sans MS évidemment. Euh... Voilà. Comme ça les gens vont arriver et puis euh, ils vont se dire Ah tiens je trouve que ça ressemble beaucoup à Rimworld. Je vais le signaler au streamer. Hop. Agbu qui riganaise. C'est beau. C'est quoi? C'est quoi riganaise Je ne connais pas le mot euh, Dragmore. Pourquoi il n'y a plus de musique Ah si il y a de la musique. Telrigan, pourquoi est-ce que je fais tel Reagan J'ai pas la référence. Euh... Dracmore. Et Damien Haroshima. Ah tiens, ça ressemble à peu Fortress. Ah bah si, je connais Ronald Reagan, euh, bien sûr. Ronnie, comme on l'appelle nous autres euh, euh, les fans. Euh, les fans de la vraie droite. <laughs> Alors, est-ce que ça peut marcher, ce que je suis en train de faire par là-bas euh, Il faut y aller, là, il faut me... Oh putain, attendez, attendez, je, 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 je... suis perdu, I am lost, I am completely lost. Et puis, combien il fait, il fait 26 degrés dans mon salon, parce que j'ai parce que j'ai arrêté la clim pour vous, hein, pour vos petits tympans, bande d'ingrats. Alors, euh, on va se concentrer. Ok, il faut vraiment que quelqu'un me construise ça. Et ensuite ça devrait être bon. Donc construisez-moi ça les gars. Alors je peux pas par exemple sélectionner ça et augmenter la priorité. On pouvait, peut-être que je peux le faire là. Non. Ah si peut-être là. Non. On peut pas, il n'y a pas le même système que dans Rimworld où on peut dire ce truc-là, vous me le faites en priorité parce que ça urge. Il faut... faut attendre qu'il le fasse euh, normalement. Broadcast camoufle bien le bruit d'une clim, normalement, dit Lupus7. Oui, je l'ai essayé en début de stream et tout le monde m'a dit que le son saturait, donc c'est pour ça que j'ai dégagé broadcast. Voilà, tu sais tout, Lupus 7. Il suffit d'ouvrir la fenêtre. Bah non, il fait 26 dehors. Il fiche. À, à nos gens, on a un micro-climat. Est-ce qu'on peut faire un trou et le reboucher plus tard Demande Mammouth25. Oui, tu peux le reboucher, par exemple avec la même matière que tu as extraite, donc de l'argile. Mais c'est pas très joli. Putain, mais vous allez me le faire, mon, euh, mon truc là euh, hey. Lignée là, qu'est-ce que t'as d'autre à construire de plus important Où elle est lignée Mais je t'ai pas dit de, de couper le bois, je t'ai dit de faire la construction d'abord. La construction elle est bien accessible. Hein. Elle est super accessible, la construction. Des villageois sont inactives, bah tu m'étonnes, ça a l'air d'être une, une belle tripotée de branleurs. Ça fait un quart d'heure qu'ils ont à construire un mur là. Peut-être qu'elle peut qu pas. Peut... Bah, si elle peut le construire par le haut, je pense. l'ignève tu te. Fous... Elle se fout. Elle passe devant le mur. Elle se fout de ma gueule. Comment est-ce que je peux m'en sortir de cette merde Si elle peut me le construire, là. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas me le construire Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas construire ce mur J'ai réussi tout à l'heure. Hein. J'ai réussi. Euh... Après, j'avais fait un trou beaucoup plus gros. Et si je la sélectionne directement Ouah, prioritise comme ça. Ne peut pas démarrer la construction, doit commencer par dégager la zone. Ok, d'accord. Bon. On change. Euh... On change de technique. Non, L. L pour comme annulé euh, c'est bon c'est annulé alors ça tu me le détruis et ça je veux que tu me prioritises la destruction voilà ok maintenant ça tu me le tu me le dégages et je vais vérifier si mon, mon extracteur il peut me le faire c'est qui déjà qui extrait euh... toc, 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 toc. extraction c'est baldwin baldwin viens là pépère Baldwin, tu me fais ça. Et apparemment, il peut le faire. Hein. Il ne m'a pas mis message d'erreur. Donc j'avais... Euh... Il est où, Baldwin, là Qu'est-ce qu'il me fout Non, mais qu'est-ce qu'il fait Non, mais il joue au backgammon. Accident de butronnage, ok. Allez-vous l'accueillir Oui, je l'accueille. Ah, il n'y aura pas de raid, d'ailleurs. Ah, elle a perdu... Ah ouais, mais elle perd connaissance directe. Ok. Donc je vais dire à... Euh, C'est qui, ma soigneuse, déjà euh, Soignez. C'est Clémentia. Clémentia. Porte ce colon dans un livide, s'il te plaît. Ah bah non, Margaret, ça était déjà occupé. Ok. Donc, on était toujours sur Baldwin la feignasse là, qui veut pas me... Cela vient de la série Sorti Rock quand le patron, la Gwellwin, se met à régler les problèmes de tout le monde de manière effrénée sans leur demander leur avis. Ah d'accord, euh, Dracmore. Ben bah, j'avais pas... Euh, J'ai vu Sortirock, mais j'avais pas... Euh, j'avais pas mémorisé ça. Putain, Baldwin il fait de la recherche, mais il se fout de ma gueule hein Non mais je pense qu'il peut pas le... il peut pas l'extraire. Putain Est-ce que c'est que ce merdier là Bon, early access, hein. Early access. Baldwin, ils s'en foutent complètement. Ils s'en avec Baldwin. Ah, hein. euh... oh, mais du coup, je vais creuser tout autour. Ça va être dégueulasse, là. Putain. Il voulaient voulait pas faire... Ah si, je vais faire un sol. Est-ce que je peux faire un sol Ouais, je peux faire un sol. Je vais leur dire de faire un sol et ensuite de... Ah, voilà. Baldwin, il fait... Voilà Quelle intelligence. Merci, Baldwin. Ok, donc tu me refais encore un sol en bois ici. Et là, il ne va pas vouloir me le faire, le bâtard. Je suis sûr qu'il ne va pas vouloir... Ah non, mais là, je peux faire un... Là, tu, tu me détruis ça. Là, ensuite, je peux faire un escalier, ça va être... Baldwin, détruis-moi ça. Baldwin, il prie. Non, 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 non. Ça attendra. Tu me détruis ça, vas-y. Voilà, tu me détruis ça aussi, s'il te plaît. Merci. Et là, on fait un escalier parce qu'on a la place. Et voilà. Et voilà. Et Baldwin, il va me le prioriser aussi parce qu'il me vénère. Allez, va chercher du bois, vas-y. Ah, c'est le pseudo. Oui, Balek Baldwin, c'est le pseudo de Monsieur Chat sur Twitter. Alors là, on est bien. Et là, maintenant, donc on, a, on a fait un gouffre. Et là, on va pouvoir construire le petit couloir. Ah, c'est ah, de la manipulation, hein? Euh, on va faire ça comme ça. Et là on va se faire... Alors on va faire un truc avec des poutres. Parce que si je construis ça comme ça, si je fais ça, le sol va s'effondrer. J'ai eu le souci tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des trucs comme ça. Et on va mettre des poutres pour renforcer. C'est important. Oui, c'est important. Euh, là il y aura la porte. Ça sera pas dégueu. Allez, on fait ça. Je vérifie en 3D que tout est bon. Tout est bon. Il faut que Baldwin, il y aille. Mon extracteur, c'est qui déjà euh... <laughs> Extraction, tout est devant moi. Euh... Ouais, mais c'est lui aussi qui fait de la recherche. Bah, vous allez vous calmer sur la recherche un petit peu, les pépères. On n'en a pas trop besoin. Et ensuite, vous ferez de l'extraction. Alors, ce n'est pas les poutres à 26 et 46 comme, comme sur Valheim. Bah, c'est les mêmes poutres qu'ici. Hein. Vous les voyez là Voilà, c'est ces poutres-là, les poutres de, je sais pas, de soutènement, sûrement, peut-être comme ça. Euh, j'ai toujours un stock de nourriture faible, je pense qu'il faut que j'ai plus de 20 ragoûts, un truc comme ça. On va euh, récolter ça, récolter ça. La récolte, là, ça a été récolté, les carottes, elles ont été récoltées, elles vont être, sont récoltées dans 10 heures, le lin, ça va arriver bientôt, euh, ça, est-ce que c'est à maturation C'est en maturation dans pas longtemps, il faudra penser à récolter. Ok. Je pense pas, euh, Dracmore, qu'ils aient prévu les coups de grisou. Je ne pense pas. Ce serait cool. Enfin non, ce serait pas cool. T'auras un coup de grison, tu ferais une sauvegarde, et puis voilà. Donc vous voyez, il creuse. On a bien euh, le Z-order, bien comme il faut, il est là. Euh, voilà. On est content, on est heureux. Il faudra qu'on pense à faire un sol aussi, et puis les poutres, bien sûr. Donc on va poser les poutres dès que ça sera... Euh, voilà. Dès que ça sera fait, parce que encore une fois, sinon le... ça s'effondre. Ça ce qui, est, ce qui est très cool je trouve. Donc là on se fait un espèce de cellier en fait. Voilà, une. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Allez, fais-moi ça. Allez, dégagez-le. Merci. Et donc là, je peux mettre une poutre. Voilà. Vous voyez Je vais en profiter pour mettre... Une petite porte en bois parce que je pense que ça joue pour l'isolation. Et là, comme ça, avec ces poutres de soutien, ça ne va pas se, euh, ça va pas s'effondrer. Ça c'est bien. On va l'agrandir un petit peu, un deux. Je vais mettre une poutre tous les trois. Euh, ouais, on va faire ça. Et donc ensuite, après, je ferai le système classique à la RimWorld, c'est-à-dire que je ferai une zone de réserve sous terre, je filtrerai que la nourriture, et comme ça, la nourriture se conservera bien. Parce que là, vous voyez que la nourriture, là, euh, ça se décompose en trois jours. Et ça... Non, ça pourrit en une journée. Donc vous voyez qu'il y a urgence, parce qu'en fait, je suis en train de perdre tous les ragoûts que j'ai préparés, euh, et les ingrédients aussi, genre les champignons, les trucs comme ça, pareil, ça pourrit à toute vitesse. Construire un frigo, dit voilà, C'est le principe. Vous savez, dans, dans Rimworld, on a la construction obligatoire du frigo classique avec la climatisation et tout. Voilà, voilà, c'est le frigo Rimworld, sauf que là, on le construit, euh, on le construit sous terre. Ce qui, ce qui est cool. Ce qui est cool. J'aimais bien bah, construire les frigos dans Rimworld. Je trouve que c'était le meilleur moment dans Rimworld. J'adorais construire les frigos. Regardez la température baisser et tout. J'adorais ça. Je trouvais ça génial. Uh, prioriser c'est français, Prioriser, c'est un calque de l'anglais, blablabla. Bla, bla, bla. Eh bien, je continuerai à dire prioritiser, même prioritiser jusqu'à la fin des temps. Voilà. Est-ce qu'ils m'ont construit... Non, c'est pas là. C'est là. Ils me l'ont construit. On fait encore une petite poutre. Hop, et on en fera une dernière, et ensuite. Bon, on va, on va d'ailleurs on va, on va commencer à, à bouger notre... Euh, notre euh, ah, il faut faire un sol aussi. Parce que si le sol est pas, est pas bien, ça pourrait plus vite. Donc on va faire un petit sol. Voilà, construisez-moi le petit sol. Extraction encore. Euh, donc on avait dit 3, il y a combien là Il y a 2 décarts. Donc là, on fait tac 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 tac. Hop. Et ensuite, ici, on fait notre réserve. Réserve par défaut. Hop, on fait une petite pause pour pas qu'ils commencent à bouger les trucs. On efface tout et on met euh, les carcasses d'animal pour pas qu'elles pourrissent. Pas les carcasses d'humains, on s'en fout. Et on met euh, tout ce qui est nourriture. Et évidemment, une fois qu'on a fait ça, on va dans l'autre réserve. Et là, on dégage les carcasses et on dégage la nourriture. Et ils vont tout transporter automatiquement grâce au merveilleux système de zone de stockage inventé par RimWorld. Le verbe prioriser est un barbarisme qui commence malheureusement à s'entendre et à se lire ici ou là, qu'il convient donc de proscrire tout à fait. On dira donc plutôt accéder à la priorité, à établir des priorités, etc. Cette remarque vaut aussi bien pour un autre barbarisme prioritiser. Oui, mais ils ne disent pas prioritiser. Donc on peut, on peut utiliser prioritiser parce que l'Académie française elle ne dit rien contre ça. Prioritiser ça existe et ce sera désormais le mot officiel. Merci Trix pour ton dixième, dix-septième mois d'abo. Un pouce frérot-frérot de Trix. Alors euh, j'avais une, j'avais Tifina qui venait d'arriver. C'est quoi ses compétences à Tifina, Tifina 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 Tifina. Tiffina, c'est une bonne forgeronne, ça c'est cool. C'est une bonne tireuse aussi, ça c'est cool. Euh, et puis c'est à peu près tout. Elle est pas trop mal en construction, euh, mais du coup. Elle fera de la forge à fond, la petite Tifina. Forge, 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 forge. Tu me la feras à fond. Et on va lui donner un arc si on en a un. Et je ne vois pas d'arc, malheureusement. Mais je sais qu'on a... Il me semble que c'est Clémentia qui est nulle. Non, à la douce, Clémentia. Euh, Tifina, ben, elle a une hache. Elle va garder sa hache. Hein, et puis on lui filera un, on lui filera un, un arc dès qu'on en construira un ou qu'on en trouvera un sur un, sur un NPC. Sinon on décide que Prio est un mot du gaming, dit Grebs 12. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, faut que je prio mes zones de stockage, c'est pas au Ouais, c'est bien, c'est bien, prio. Finalement, ça va faire 7 sur 10 devant monter le News Non, 7 sur 10, puisqu'on ne teste pas les jeux en early access. Mais. Et puis j'ai pas encore assez joué, là, j'ai dû jouer 6h, euh, heures, 7 heures. Donc il faut au moins faire 20 heures sur un jeu comme ça. Dans, dans, le, dans le jeu de recherche. Dans le jeu de recherche. Dans l'arbre de recherche, j'ai dû arriver à peu près jusqu'ici là. Donc il me reste encore tout ça, voilà, chimie j'ai pas fait, distillation, euh, arbalète j'ai pas fait, donc euh, voilà, il faut, euh, faut que j'y joue encore un petit peu. Mais moi j'ai je, 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 sans danger, probablement, Telonius Probablement, probablement, je te l'accorde, je te l'accorde. Sauf si je découvre que c'est bugué de partout, euh, que, sauf si je découvre qu'au bout de 15 heures il n'y a vraiment plus de contenu, parce que c'est quand même du 20€, hein, c'est pas, pas anodin comme prix, c'est pas un jeu à 7€, donc il euh, faut se méfier aussi un petit peu. Euh, faudrait que je mette des torches hein, dans mes. Ouais, parce qu'elles ne sont pas éclairées en fait. Tiens, je vais mettre un bras Alors, bon, là, vous me direz, on est en été, c'est un peu con. Mais euh, y a un bra... y a... on peut mettre des bras aussi. Euh, ils sont là, les bras Je vais mettre un petit bras ici. Parce que quand l'hiver va arriver, je pense qu'on aura froid. Voilà. Et puis un bras dans le dortoir aussi. Hop. En espérant que c'est ce qui se passe au fils de chauffage dans Rimworld. Ok, on est pas mal, on est pas mal. C'est pas une mauvaise partie là que je fais. Euh, hop, on va récolter tout ça. Là, on commence à être bien niveau nourriture. Alors, la nourriture, elle, elle se fait pas uniquement au feu de camp. On peut débloquer après des trucs de cuisine. Vous avez des cheminées, des trucs comme ça qui sont vachement plus, euh, qui sont vachement plus développés. Alors, peut-être que la fumée va s'accumuler va, va va chez Tipix parce que j'ai jamais installé de bras zéro euh, en intérieur, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tout a l'air d'aller bien. Il me donne pas la température qu'il fait dans les zones, ça ça me dérange. Ça, vous voyez dans le petit euh, dans le petit truc qui est euh, ici là. J'ai pas la température, c'est dommage, mais bon. Euh, toc, toc. Alors qui gère quand même l'isolation thermique et tout. Ouais. Alors euh, ma ma ma... Faut que j Faut que je finisse ma cave. Ok, donc on va mettre une dernière poutrelle. Une dernière petite poutre pour être bien sûr que tout est bon. Euh, il ne veut pas me la prendre. Comme ça, il va vouloir me la prendre. On va terminer le sol. Et on va étendre la zone. Ça se fait ici. Et comme ça, on a de la place pour stocker plein d'ingrédients, toutes nos récoltes. Et là, regardez la, regardez la temps de conservation. Euh, alors, de temps en temps, il l'affiche pas. Euh, non, là, le ragoût, il ne pourrira jamais. Et ça, euh, ben non, apparemment, ça ne pourrira jamais non plus. Ouais, c'est frais à 100%. Ça pourrit pas, en fait, voilà. Dans mon souvenir, il y en avait qui pourrissaient quand même, je crois la viande, elle pourrissait un petit peu. Mais la viande, on a des... il y a des outils pour la sécher. Et pour la conserver beaucoup plus longtemps. Bon bon, on est pas mal. Euh, on est défendu des deux côtés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On va faire. Euh... On va faire un peu de métal, tiens dans la recherche. Je voudrais bien commencer à construire mes armes. Ouais, on va... Je vais commencer à construire mes armes parce que je voudrais bien donner un archer à, euh, à l'ivinia, je crois, qui est forte en, en archerie. Enfin, en, en tir à distance, pardon. Et on va aussi... Tu as une conservation des aliments. Hop, voilà. Ça va nous faire des petits trucs sympas. On va construire un four à fusion. Pour euh, le métal, un four à briques. Euh, J'ai pas construit encore la table de débitage parce que ma cuisine elle est un peu petite. Il faudrait que je me fasse un coin cuisine en fait. Je pourrais me faire. Ce qui aurait été intelligent, c'est de me faire un coin cuisine juste à côté, du... juste à côté de la réserve. Euh... Comment est-ce que je peux gérer ça il faudrait que j'agrandisse ma réserve aussi, parce qu'elle qu commence à être un peu petite. Je vais me faire une réserve annexe ici. Je vais me faire une réserve d'armes et de vêtements et tout ici, tiens. Alors on va se faire ça. Euh... Ouais. Je vais faire ça comme ça. Je vais essayer un truc. Attention, I will try something. Parce que là, si je fais... Là, je vous explique en fait le problème, c'est que... Si je fais pas de double mur, je ne pourrais pas poser l'autre partie du toit. Non, on va essayer de faire un truc différent d'ailleurs. On va faire euh, comme ça. Hop Là on va faire une porte en bois. On va faire Sol en bois. Et là on va se faire une réserve différente. Oh faudrait qu'on fasse un truc en étage. On va faire un truc en étage, attends, on va faire, on va faire une double réserve en étage. Un pec. Donc ok, là j'ai un premier étage. Euh... Je vais me faire un escalier. Merde. Alors on va le faire comme ça, sinon ça va être moche. Ok. Là je construis un sol en bois ici. Est-ce qu'il va me le prendre On va regarder s'il le prend. Euh, non, d'abord il faut que je construise des murs. Euh. Ah, ça va être compliqué là. Parce que du coup, j'ai pas fait de double mur. Non, on va faire la double réserve ailleurs parce que ça va être compliqué vu que c'est collé avec le toit là. Là on va faire une réserve normale. On va déjà voir si on peut poser le toit en chaume. Je suis pas sûr. Euh, S'il si a l'air de le prendre, alors attendez. Là il le prend pas, mais dans ce sens-là il le prend. Ah c'est marrant ça. Eh ouais dans ce sens-là il le prend parce qu'en fait il y a les, les murs de soutien qui sont qui sont bien. Ok d'accord, ça je savais pas. Donc du coup on va changer le sens du toit. Ça va casser un peu la symétrie des toits, ça sera très bien. Cette musique volée, de, volée à Edge of Empire, dit Nougat. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé Age of Empire. Là, ça va être joli, regardez. Eh, hey, regardez C'est joli. C'est cool. Euh, alors, attendez, là, je voulais faire une, une autre zone de stockage où il y aurait les vêtements et les armes. Donc là, tu me mets. L'habillement, non, effacer tout. Tu me mets tout l'habillement et toute la guerre, ok. Et donc là, tu me dégages tout l'habillement et toute la guerre. Ça va faire un peu de place ici parce que elle commence à être saturée cette réserve. Ok, maintenant attention, construction en étage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en étage Oh, bah je sais. On va faire la cuisine ici et la salle à manger à l'étage. Ça, ça va être génial. Ça, ça va être cool. Cuisine au rez-de-chaussée, salle à manger à l'étage. Trop bien. Alors, pour faire ceci, marteau de tort. Ouais, ça, c'est que je vais avoir un, je avoir un, un orage. Euh, Celui-ci, c'est pas le bon moment pour dégager le toit, du coup. On va attendre que l'orage passe. Parce que là, il faut dégager le toit pour faire un étage au-dessus. <laughs> je, je, je ne répondrai pas à vos provocations euh, sur le chat. Des villageois sont-ils... Regardez, c'est joli, regardez ça. Là, c'est joli. Avec le reflet euh, RTX des... Oui, parce que j'ai une 3080. Euh, avec le reflet des... Des petites euh, des petites euh, torches là. C'est joli. C'est joli. La carte de démarrage est grande. Bah écoute, voilà la carte de démarrage. C'est ça. Et oui, il y a des rencontres possibles, je le montrais en début de stream. Enfin, des rencontres. Il y a, a d'autres villages, tu vois. Colonie amicale, camp de bandits, je, je... Voilà. Je crois que la diplomatie n'a pas encore été implémentée. Alors, on va faire une, on va faire une jolie construction par étage. Euh, ok, il faut d'abord qu'on dégage le toit. Alors là, attention, ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut faire ça truc par truc C'est quoi déjà C'est... K. Ok. NON il veut, il veut me détruire la table. Cela dit, faut détruire la table parce que. Euh... Ouais, faut détruire ça en fait. Faut détruire tout ça parce que là, ça va être la cuisine. Tiens, ils sont en train de faire une partie de baggamon on va leur massacrer leur table. Les lumières sont cool, mais le terrain et le design des colons bâtiments, je sais pas. C'est du lot poly donc euh, pff, moi je trouve ça passe, ça passe. C'est comme Rimworld, là, au début on dit oh c'est pas beau, et puis finalement, on, au bout de 20 heures, on se dit oh si c'est bien. L'important dans ce genre de jeu, c'est la lisibilité. Il va peut-être falloir qu'on fasse des poutres pour soutenir le, toit, le, le plancher. Donc je vais les faire maintenant, je vais faire... tac. Euh, oh ça va être moche. Oh ça va être moche, je vais pas la faire dans ce sens. Euh, on va la faire comme ça la poutre. On va faire tac, tac. Voilà. Ça sera mieux. Et donc ensuite on fera un petit escalier. Ou est-ce qu'on fait un escalier Est-ce qu'on essaie de faire un escalier à l'intérieur du bâtiment qui passe par la cuisine oh, on va essayer de faire ça on va faire l'escalier là ouais on va faire l'escalier là allez on va voir ce qu'il est possible de faire euh, au niveau étage Alors oui papy-poule, il n'y a pas d'élevage et tout encore. On regardera sur la roadmap s'il si si, si prévoit. Alors là, on a la charpente qui commence à être bien faite. Je fais sol en bois. Alors je vais le faire comme ça. Ouais, je vais faire ça. Emplacement. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit un truc. J'espère qu'il va me le faire entre les poutres là. Ouais, il va me le fait entre les poutres. C'est bon. Au niveau bois, je suis comment Je suis large au niveau bois. Des nouvelles d'Ostream demande Asti. Eh bien, justement, je regardais la page Steam Update d'Ostream il y a deux jours. Et je me disais qu'il faudrait que je, relance, que je relance une petite partie. Pour voir, pour vous tenir au courant, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il était bien sympa ce jeu. Ok, donc là on peut faire. Alors, on va faire des fenêtres partout. On va faire des fenêtres partout. Ouais, des fenêtres partout. Euh, alors je fais juste les coins d'abord. Ça va être joli. On va faire une belle salle à manger. Euh... Vous savez, comme dans les restos, salle à manger à l'étage. Donc là, si je fais, ça ferait tchac 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 tchac. Et non, parce que là on n'est pas. C'est pas le bon chiffre. Euh, donc ça va être pas grave. On va changer. Là, si je mets ici. Oh, Je voudrais faire un maximum de fenêtres. Je vais faire une, une baie vitrée. Hop, 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 hop. Et là ensuite on met les fenêtres. fenêtres en argile, fenêtres en calcaire. fenêtres fenêtre en bois, c'est très bien. Oh ça va être magnifique. Ça va être de toute beauté. Attention, préparez-vous à recevoir la claque de votre vie. Oh ça va être, ça va être splendide. Ça va être splendide. Là, il me dit que c'est bloqué. Non, c'est bon, c'est bon, impeccable. Ils montent à l'étage quand même là. Ils peuvent, hein oui. Du coup, on va leur remettre une belle table et un petit jeu de backgammon parce qu'ils aimaient bien ça. On va leur mettre table à manger ici. C'est bien au bon étage. C'est au bon étage. Et la petite table de Backgammon. Oh, ça va être magnifique. Ça va être splendide. Enfin, J'espère. Avec le toit et tout. Attaque des rejetons. Ah merde. Alors ça, ça m'arrange pas. Euh, on va faire une petite sauvegarde au cas où. Hop hop hop. Euh, Est-ce qu'ils attaquent maintenant T'éloignes pas trop, euh, t'éloignes pas trop Clémentia. Putain, ils sont 5 Ah bah je vais mettre mes. Je vais mettre mes archers. Alors, euh, déjà je vais tous les sélectionner, je vais tous les enrôler. Non, merde. Ok. Mes archers, s'il vous plaît. T'es enrôlé toi Oui, t'es enrôlé. Clemencia, tu vas. Arrête de me... Clemencia. Ah bah c'est parce que j'ai déjà sélectionné, probablement. Clemencia, voilà. Voilà. Baldwin, va ici. Merci. Alors par contre, ils vont peut-être être rushés là. J'aurais dû mettre des pièges en fait. On peut mettre des petits pièges. Euh, ok. Les autres, vous défendez ici. Allez, on y croit. Attention, attention attaque. Faut que je les aggro. Allez, venez. Venez vous faire défoncer par mes archers. Venez, venez. Voilà. Ah je vais, je vais. Il y en a un qui va bu qui va mourir là. Faut que je surveille. Ah ouais quand même. Ah ouais ils m'ont fait mal. Allez ah, bâtards. Oh là là ils sont en train de rusher mes archers. Ah ça fait mal. Es faite. Du coup qu'est-ce qui se passe Ah satisfait par la quantité de dégâts infligés par votre colonie, les pierres s'en vont. Donc c'est pas c'est pas euh, c'est pas euh, fin du jeu. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont pillé du coup Oh là là, ce massacre. Ah lui, celui, il est pas bien. Allez, on les désenrôle. Eh bah, ben, c'était pas glorieux, hein. Mais du coup, ils m'ont rien volé. Bon, early access, early access. Ils m'ont rien volé. Ils ont, ils ont juste fait du mal pour faire du mal. Voilà. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir du Fire, euh, Nier 667. Ah, j'ai mangé, là. Après, je me suis pas beaucoup préparé, j'avais pas des bonnes arbres, j'avais pas des bonnes défenses, j'avais encore ma base qui était ouverte. Bon, il aurait fallu que je. Il aurait fallu que je. Je, je, je clôt tout. Mais c'est surtout que je veux terminer le, le bâtiment, faire le toit et tout pour arrêter de ça. Ouais, ouais, il faut que je. J'ai débloqué la création d'armée. La création. <laughs> Pardon, j'ai débloqué la création d'armes, donc ça vrai. bon. Si si on peut faire des portes, t'as différentes portes. Euh... Euh, t'as des portes renforcées. Alors je ne l'ai pas encore débloqué, mais elle se débloque ici, elle se débloque euh, dans structure défensive. Voilà, je peux faire des pièges et des portes en bois et j'ai oublié de faire les pièges. D'habitude je fais plein de pièges, ce qui fait qu'ils marchent sur les pièges et ils prennent plein de dégâts. Là par exemple j'aurais dû faire une ligne de piège ici et j'aurais dû faire une ligne de piège devant l'escalier le... devant pour pas qu'ils rushent, mes... qu rushent mes archers. C'est que ouais, c'est le stream, je ne suis pas concentré, tout ça. Tu devrais faire plus d'étapes de pack gamin, au vu de pour la prochaine attaque. Une douve et un pont-levis, ça serait... Ah ouais, ça, bah une douve, cela dit... Alors, euh, y... normalement, il y aura de l'eau, puisqu'il parle d'une carte avec de l'eau qui la traverse, mais là, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. Ce qui serait super cool, effectivement, c'est qu'il y ait de l'eau, et qu'on puisse creuser des tranchées et inonder les tranchées avec de l'eau, euh, et que ça puisse nous faire des douves, ça ça serait génial, salut Thor 14 ça effectivement ça serait génial. Pour l'instant je ne l'ai pas vu, mais, euh, mais bon. Euh, alors, je voulais juste qu'ils termine de faire ça. Allez-y les pépères, alors là cela dit, ouais, mais ils sont tous... Euh, ils sont tous complètement pétés là. Allez, heureusement qu'il y a Clémentia qui les... qui les soigne, c'est bien. Bon, sinon on parle de la fenêtre du bas qui est décalée avec le étage. Je l'ai vu, euh, je l'ai vu Telonius, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble quand on a des constructions à plusieurs étages. Et rien ne nous empêcherait avec le système de poutres et de murs de faire même par exemple ici un couloir qui enjambe cette pièce et qui re re et refaire une pièce à étage ici. Vous voyez, on peut vraiment faire des structures qui sont euh, qui sont relativement complexes. Alors là, tout est bon. Ouais, c'est vrai que la façade ici elle est moche hein, parce que c'est pas aligné et tout. On n'a plus qu'à faire le toit. Euh, le toit qu'on va aligner, qu'on va aligner comme ça. Ouais, on va aligner comme ça. Et puis on pourra voir ce que ça donne. Et ça va être joli, ça va rajouter... On pourrait peut-être même mettre euh, des archers ici aux fenêtres. Peut-on produire du café pour des investisseurs dans Going Médiéval Alors pas de café, tu fais référence à... à... Euh, à nos 1800 bien sûr, pas de café, mais euh, quoi qu'il y ait un truc stimulant. On peut faire de la bière, il y a un truc fermentation. Euh, après le café, il faut du café, ça pousse pas en Angleterre le café. Il n'y a rien qui pousse dans ce pays maudit de toute façon. Euh, on peut faire de la bière, des trucs comme ça, mais pas de café. Pas de café. Oh, regarde Regardez C'est mignon Voilà, ça commence à ressembler à un petit truc quand même. Bon. Vous enlevez le toit. Bon alors après, si vous voulez voir ce qui se passe en dessous, il faut faire ça. C'est vrai que c'est pas super pratique, mais c'est le prix à payer pour avoir de la 3D. Hein. On n'a pas, le... pas le choix. Donc là, je pourrais faire une petite cuisine. Ensuite, à l'étage, il y a ma salle à manger. Et euh, je trouve que c'est euh, mignon comme tout. Il y a un truc que je voulais faire aussi qui me paraissait important. Regardez, faire une petite clôture ici. Voilà, pour pas que les gens tombent. Bon, ils ne tombent pas en vrai, hein, mais là, vous faites une petite clôture comme ça. Avec ici le petit coin, parce qu'il y, y a des coins pour les clôtures. Voilà, regardez comme c'est mignon. Regardez-moi ça. Vous mettez une petite bannière euh, devant votre bah tiens devant votre plus beau bâtiment, là. Donc on met une bannière comme ça, on va la mettre dans les coins, là. Hop. Euh, comment on fait On fait comme ça. Non, on va la mettre à l'entrée. On va la mettre à l'entrée. Hop, hop. En espérant qu'il ne me faut pas du tissu ou un truc comme ça. Si, il me faut du lin, mais j'en ai, je crois. Ah, mais bon. Et là... Hop. Hop. Alors, ils vont la construire. Les colons deviennent contrariés. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, bah oui. Mais c'est pas de ma faute, ils savent pas se battre aussi. Hein. Je suis déçu que les, les pillards m'aient pas pillé des trucs. Qu'ils soient pas allés dans mes réserves pour me... Ils m'ont rien volé. C'est con J'aurais voulu qu'ils volent des trucs. Euh, ok. Hop. Qu'est-ce que je voulais. Ouais, regardez ça. Les petites bannières, est-ce qu'elles sont construites Regardez ça. Voilà, c'est mignon. J'ai une petite baillarde avec mon chacun, là. Voilà. Vous pouvez aller sur la page team du. Un de mes persos est mort. Merde. Ah, bah ouais, j'étais à 5, je suis à 4. Merde. Qui est mort Ah, ouais, il est là. C'est Tifina. Et eh bien voilà. Et eh bien, ainsi s'achève euh, ce, ce stream, puisqu'il est 22h, plus de 22h, sur une mort. Euh, voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, je ne continuerai pas cette sauvegarde, puisqu'évidemment, dans les jeux de ce genre, je déteste quand quelqu'un meurt. Je vais quand même euh, la sauvegarder pour faire des petits screenshots. Hop. Hop, voilà. Donc voilà, Going Medieval, c'est disponible depuis aujourd'hui sur stream, environ 20 euros. Je pense que si vous aimez RimWorld, euh, franchement, euh, ça, ça, peut vous, ça peut vous donner quelques, quelques heures agréables. Euh, regardez les screenshots sur la page team du magasin, parce que vous voyez ce qui est possible de faire en termes d'architecture et tout, ça a quand même l'air vachement intéressant. Et oui, tout à fait, cas En conclusion, euh, ça ressemble beaucoup à RimWorld, euh, Barfine le dit aussi, euh, voilà. Ça ressemble beaucoup à RimWorld, mais moi j'ai toujours voulu un RimWorld Plus. Alors ça, c'est pas RimWorld Plus, hein, même s'il y a les étages et tout. Mais ça me dérange pas. Moi, du RimWorld, euh, voilà, c'est comme euh, des simulateurs de vol, des Wargames et tout. Je peux en bouffer à toutes les sauces. Ça ne me dérange pas s'ils se, si se, si s'empruntent euh, les uns aux autres. Euh, il est 22h. Je vais vous laisser là. Oui, on va regarder la roadmap et puis ensuite on fera un petit raid, évidemment. Euh, alors, quitter le jeu. Quitter vers le menu principal. Oui. Et vous allez voir, la roadmap est euh, commerce et, euh, et marchand, caravane. Comme -moire, diplomatie de la colonie, comme Norimouer, interaction sociale des colons, ça c'est ce qui manque maintenant pour le côté générateur d'histoire et tout, influence religieuse, peut-être y avoir des guerres de religion à l'intérieur la colonie, je sais pas, le feu très bien, le gestion de la neige, ch alors chemin de débris organique s'il vous plaît, organique donc ça c'est bien. Ça, c'est potentiellement un 9 sur 10. Arme de siège montée, ok, très bien. Donc, peut-être, arme de siège, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être faire des sièges sur d'autres colonies, et justement, oui, parce qu'on pourra mener des raids contre d'autres colonies. Système de vassal, faction carte, système de prisonnier, il y avait quelqu'un au début du stream qui demandait si on pouvait faire des prisonniers, on pourra. Apprivoiser la faune, élevage d'animal. ça aussi, il y a quelqu'un qui l'a demandé, et on aura tout le côté... Euh... Qu'on connaît déjà dans RimWorld où on peut apprivoiser des animaux, tout ça. Grands objectifs, je ne sais pas trop ce que c'est. Des grottes naturelles, ok, des ruines, ok. Euh, étagères et racks d'armes, ok. C'est vrai que ça manque un peu de, de trucs de rangement là pour l'instant. Et puis sinon, plus de structures, plus de musique, type de cartes, ressources, plus dans un siège, objets de recherche et amélioration sur la quality of life. Ça, c'est très bien. Honnêtement, il y en a un peu besoin parce que vous allez voir la construction, les murs et tout. Au début, on fait beaucoup d'erreurs, on construit des murs sur d'autres murs et tout, c'est un peu chiant, -chiant. Mais euh, c'est très bien qu'ils que améliorent euh, tout ça. Euh, pour terminer les amis, euh, je vous propose, euh, je vous propose bah, déjà de vous faire des bisous et de vous remercier d'avoir la... suivi la chaîne euh, Canard PC. Mais surtout je vous propose un petit raid. Euh, chez qui pouvons-nous aller Il euh... y a Tip Stevens. Alors je Moi j'adore Tip Stevens. Je ne connaissais pas du tout quand je l'ai raidé et puis du coup j'ai... J'ai continué à le suivre. J'adore. Il, il est complètement jeté. C'est très très cool ce qu'il fait. Vous me dites que Walou fait du Fallout 2. C'est Walou, c'est Corentin-Walou, c'est euh, Corentin de, de Pixel, c'est ça Ou je me trompe Me trompe Je vais regarder. Walou. C'est Corentin, Corentin-Walou, son nom complet Sur... sur Corentin Walou, ok. Qu'est-ce qu'il fait Ouais, il fait du... Ouais, il fait du <laughs> il fait du fallout comme à l'ancienne. Allez. C'est parfait. Euh, je vous y emmène donc l'orthographe exacte, c'est Corentin Walou. Tiens, je vais la copier-coller, elle sera plus simple. Et pour vous y emmener, que dois-je faire euh, Je dois faire ça. De, hop, hop, hop. Voilà, vous l'embrassez de la part de Canard PC. Euh, et puis vous êtes gentil. Et puis voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Euh, on se retrouve vendredi pour du GeoGuessr. On se retrouve dimanche pour du carbalspace space programme en mode ultra réaliste de la mort. Ça va être génial. Euh, et puis sur ce, eh ben, bonne soirée. Amusez-vous bien chez Corentin Walou. Ciao tout le monde. le lag une like, dehors du monde là je veux pas le raid du monde salut les 400 canardos j'ai vu que vous étiez chez Agbu qui streamait un jeu